voici les jeux de dinosaures les plus addictifs de tous les temps. J'ai dû améliorer mon bébé dino de sa naissance jusqu'à son évolution cyber. J'ai aussi repoussé les ennemis des cavernes qui voulaient attaquer mes œufs. Et restez bien jusqu'à la fin pour voir Red Kill fusionner tous ces dinosaures afin d'avoir l'évolution ultime. C'est parti! Bon les amis, pour la première fois sur un runner, nous contrôlons un cowboy. Mais pas n'importe quel cowboy, car aujourd'hui, nous ne possédons pas des revolvers, mais des lance-toiles d'araignée. Et là, vous allez me dire, Red Kill, pourquoi tu lances des toiles d'araignée? Eh bien, figurez-vous, les amis, que nos toiles d'araignée sont les plus puissantes jamais créées, car nous allons pouvoir capturer des dinosaures de plus en plus gros. Encore plus gros que ça. Dans le but, bien évidemment, de se constituer la meilleure armée de dinosaures possible, afin de terrasser nos adversaires qui seront à chaque fin de niveau. Bon, bah écoutez les amis, si vous êtes prêts, que vous êtes abonnés, que vous avez mis un pouce bleu à cette vidéo, nous allons pouvoir commencer. C'est parti pour le niveau 1. Nous allons donc tenter d'avoir les meilleurs dinosaures. Ouah, mais qui c'est qui m'a mis ce chapeau là? Je vois plus rien les amis, je sais pas ce que je fais. Ah, je contrôle plus rien. Ah, j'espère que je fais les bons choix. Oh, j'ai entendu un dinosaure venir avec moi là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon vrai chapeau, mais ah, j'ai perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, là. Donc, les amis, c'est parti. On va essayer de se constituer la meilleure armée. Et pour le coup, on va prendre le plus 1 en cadence de tir qui va nous permettre de tirer beaucoup plus rapidement. Par contre, j'avais 2 revolvers juste avant et maintenant, j'en ai plus qu'un. Quel dommage. Oh, un ankylosaure. Ah ouais, mais j'aurai jamais assez pour l'avoir. Il faut lui tirer dessus pour 600 de dégâts. C'est énormissime. Là, c'est parti. Nous allons pouvoir avoir le premier combat de la partie. Et nous avons 3 petits dinosaures contre 2. Oh, on peut les merge ensemble. On peut. Oh, c'est devenu un T-Rex. C'est devenu. C'est un T-Rex? Ah non, c'est pas un T-Rex. Je connais pas le nom de ce petit dinosaure là. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, on va le mettre sur le front pour aller attaquer les deux petits. C'est parti. Le premier combat de cette vidéo peut commencer. Oh là là, il fait tellement mal mon dinosaure que j'émerge. Et là, c'est bon, du coup, on a gagné 180. C'est énorme. On va pouvoir augmenter donc la cadence de tir de nos trucs et le plus de damage. Donc, on fera plus de dégâts à chaque tir. Allez, je augmente la cadence. Oh, on va avoir une cadence de fou. Bon, allez, j'enlève mon chapeau. Il fait bien trop chaud. Oh, on va pouvoir avoir un dual shot qui va pouvoir me permettre de tirer 2 fois. Comme si j'avais 2 pistolets. Oh, trop bien. Ok, double gun. Ah, mais ça y est, je les ai. C'est parti, toi entre crute. Donc tout à l'heure il a fallu le merger, oh, on est monté dessus. On va monter en fait sur le dinosaure le plus puissant à chaque fois. Ah bah oui, c'est plus sûr hein. Let's go, plus 2 de cadence de tir. Et là les amis, on a une équipe de folie. Et on a encore mes 2 dinosaures qui sont là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir merger ensemble les 2 dinosaures violets. Quand je dis merge les amis, c'est évidemment les fusionner. Hop là, c'est parti. Bon, bon. Il a l'air tellement puissant notre nouveau T-Rex. Alors attendez, je vais pouvoir combiner ça, combiner ça, combiner. Oh, mais attendez, je vais même pouvoir faire plus. Je vais pouvoir combiner ces deux là pour avoir. Waouh! C'est quoi ce dinosaure de fou que je viens d'avoir? Là, il est plus petit, mais par contre, il vole ou alors il nage, je sais pas trop. Mais en tout cas, on va assister au combat. Oh, il a one shot le violet. Il est tellement puissant. Oh, oh. Bam! Les 3 sont terminés. Ah, j'ai perdu mon petit dinosaure. C'est pas grave, moi je garde le meilleur. Alors, on augmente la cadence de tir 2 fois et on va être encore mieux. Et là, directement, on prend les meilleurs portails, les amis. Vous connaissez? Je suis pas mauvais en runner, je ne me ferai pas avoir. Alors, oh, j'ai eu une meilleure distance maintenant. Oh, je vais essayer d'avoir les deux. Yes, j'ai eu les deux. Dual shot maintenant. Oh, on va être tellement bien, les amis. Regardez, j'ai combien de dinosaures? J'en ai 4 ou 5 qui me suivent, plus celui sur lequel je suis adossé. Et oh oh, alors lui, par contre. Oh, wow, mais je l'aurai jamais, 2500. Il va falloir augmenter pas mal de trucs. Alors lui, on va essayer de le recruter. Non, non, j'ai tiré trop tard sur lui. Alors les amis, c'était quel dinosaure qu'il y avait? C'était un triceratops. Bon, il faut vraiment que je l'ai. Alors lui, c'est mort. C'est quoi ça? Ouais, c'est un triceratops, ça, je crois. Hein. Oh, il est tellement stylé. Et lui, je vais essayer de l'avoir cette fois-ci. Ah, c'est bon, recruté. Oh, on a même Tejlot parce que c'est lui le plus puissant. On va pouvoir le merge. Oh, attendez, attendez. J'en prends. Oh, mais les amis, j'ai une équipe de fous malades. Une équipe de dingue derrière moi. Attention. On va pouvoir voir tout ce que j'ai. Attention. Ils sont combien? Ils sont. Mais what? Ils sont 7! J'en ai 7 de plus! Oh, même 8, je crois! Mais là, c'est juste abusé l'équipe que j'ai. Alors, vous deux, je vous mets ensemble. Vous deux aussi, on va pouvoir découvrir un nouveau dinosaure. Alors, est-ce que ça serait pas le Triceratops? Oh non! C'est un ankylosaure! Trop stylé. Alors, vous deux, je vous merde. Vous deux aussi, je pourrais pas faire mieux. Mais là, de toute façon, la vérité, les amis, j'envoie juste lui au combat. Je pense que ça suffit. Attention, c'est parti, nouveau combat! Oh, il a one shot le T-Rex en face. Oh là là, trop facile. 342 thunes, on va pouvoir. Allez, on va augmenter mes damage parce que malheureusement je l'ai pas trop fait. Et là on va faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est parti, voyons voir si on peut avoir de nouveaux dinosaures. C'est parti, plus 1 de fire rate. Dual shot maintenant, boum 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 boum. Ça c'est réglé, double gun. J'espère qu'un jour on aura le triple gun aussi. Alors oh là, on fait tellement de dégâts maintenant. C'est trop facile à recruter les petits dinos hein. Bon là ça va, il y a pas eu de gros dinos. Donc bon, franchement ça va. Oh mais vous avez vu la cadence de fou que j'ai, c'est une mitraillette en fait. C'est une mitraillette à toile d'araignée. Et c'est parti. Je vous avais dit que c'était vraiment les toiles d'araignée les plus puissantes du monde, c'est juste abusé, ça arrive à capturer des dinosaures quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors je merge ça, on va en avoir un nouveau les amis, on va en avoir un nouveau.
Ah ouais, moi j'ai envie de les garder, mes ankylosaurus. Alors attention. Oh, un pteranodon. Bon bah lui tout seul, il va se faire les deux petits noobs, hein, c'est sûr. Hein. Oh, il faut quand même deux coups. Hein. Oh, l'autre, il est venu en renfort. Boum. Oh là, cette équipe de fous. Allez hop, niveau suivant, ce jeu est trop stylé. On augmente ça, et c'est bon, j'ai plus de thunes. Alors, oh, non, faut que je fasse un choix. Double gun. Les amis, double gun, carrément. Carrément. Je sais pas si je peux prendre les deux. Je peux peut-être tricher, je sais pas. Attention. C'est bon, j'ai pas pris le moins un. Non! Non! C'est pas un petit dino comme ça qui va résister, c'est pas possible. Ah, mais attendez, non, je l'avais pris. Ah, j'ai pris les deux. J'ai réussi à prendre les deux, let's go. Ah, vite. Hop là. Oui, c'est passé cette fois-ci. Ok, là, c'est bon, on va se le faire. Let's go, et là, c'est parti. 360, il lui faut pas mal de dégâts, c'est bon, on l'a eu. Let's go, mon équipe est incroyable. Alors, toi, rejoins-nous. Hop, fire rate, on va augmenter un petit peu. Normalement, ouais, on va large l'avoir. Hop là, toi, rejoins l'équipe. On est au niveau 5, les amis, on a déjà des équipes de fous. Imaginez au niveau sur... Oh, celui-là je l'aurai jamais. Oh non, il reste 800. Je lui ai enlevé la moitié, je crois qu'il avait 1600 au début hein. Ou peut-être un peu moins, j'ai peut-être pas fait la moitié. Je sais pas, mais en tout cas, oh là. Les combats se compliquent, mais c'est pas grave, car je vais pouvoir encore fusionner. Alors, vous deux, vous allez vous mettre ensemble. Vous deux aussi. Oh là là, alors est-ce que je peux en avoir un nouveau encore? Mais à chaque niveau, les amis, je vais en avoir des nouveaux. Let's go, c'est parti. Alors, je sais pas si c'est un triceratops ou un taurosaure, mais en tout cas, il est trop stylé et il m'en fallait un parce qu'en face, il y en a un et c'est un véritable tank. Et celui-là, il faut qu'il fasse des dégâts. Et ça se trouve, j'aurais pas assez, les amis, hein, parce qu'ils sont plus que nous, là. Ah ouais, je me suis fait allumer, la première défaite. Aïe, aïe, aïe. Bon, comment on fait maintenant? Ah, je suis quand même passé au niveau suivant. Ah non, j'étais déjà au niveau 5, au niveau 6. Donc là, il va falloir que je refasse la run plusieurs fois pour pouvoir avoir de meilleurs dinosaures parce que ce n'était pas suffisant, apparemment. Bon, là, je pense que ça sera assez. On va voir ça. Attention. Oh oui, j'en ai eu 6 de plus. Bon, bah là, c'est bon, hein, c'est la win. Hein, c'est la win, largement. Est-ce que je les combine? Bien sûr que je les combine. Hop là. On est bien. On combine cela. Et on est pas mal, on est une belle team là les amis. Alors attendez, on va envoyer les plus nuls au combat. Et les autres ils vont taper derrière comme ça ils seront pas attaqués directement. Et c'est parti. C'est parti pour le combat le plus compliqué. Hop là, non c'était le précédent le plus compliqué. Là on les a complètement allumés. Bon allez, on augmente ça. Et on repart niveau 7 maintenant. Et ça va être de plus en plus ouf. Alors double gun, on prend, on va essayer de prendre les deux. Oh, faire... j'ai eu les deux, je crois que j'ai eu les deux. Oula, par contre, j'ai failli pas avoir lui, là. Hop là, ça, c'est bon. Fire distance, donc on augmente la distance. Ça, c'est parfait. On a une équipe de fous malades pour commencer, franchement. Faut avoir les deux. Yes, j'ai eu les deux. Directement un pteranodon. Let's go. En plus, on monte dessus. C'est tellement stylé quand on les a. Et là, par contre, on va les défoncer. Alors, attendez. Il faut que je combine. Oulala, il y a du monde sur le plateau. Hop là. Ah, attendez, si je peux faire ça... Je vais pouvoir avoir le même que lui. Let's go! Comment il s'appelle, les amis, celui-là, là? Vous connaissez tous les noms des dinosaures avant, maintenant, je me souviens pas de tous, hein. Allez, c'est parti! Nouveau combat. Là, la win, elle est assurée. On est vraiment en supériorité de force, clairement. 380! On augmente ça. Et on repart à niveau 8. Et là, maintenant, on chope directement des ankylosaurus. Hop là! C'est parti! Non, ok, j'aurais pas assez pour l'avoir celui-là directement. C'est pas grave, petit pteranodon, on monte dessus, c'est tellement stylé. Et là, on va essayer d'avoir les deux, évidemment. Hop là, c'est bon, ça passe. Celui-là, on va l'avoir. Let's go. 6666. Oh là 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 là, on l'aura jamais celui-là. C'était le T-Rex ultime. Bon, mon équipe, est-ce qu'elle est capable d'aller terrasser l'adversaire? Je sais pas, hein, ça va être limite. Hein. Attendez, non, j'aurai pas assez. Je crois que je vais me faire allumer, les amis. Aïe. Bon, on va envoyer les meilleurs en. Mais non, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer, c'est sûr. On tente quand même. C'est parti, niveau 8. Est-ce qu'on va réussir à le passer du premier coup? Oh, mais oui! Large! On les a allumés. En plus, on a eu tellement d'argent. Alors, tellement d'argent. Bon, je peux augmenter que deux fois, mais c'est pas grave. Niveau 9 maintenant. Oh là, ce jeu est trop classe. Alors, attendez. Je veux les deux. Oh là là, le tricheur. Attention! Oh! Comme quoi, ça, c'est le karma. Bon, je vais essayer de. Je sais pas si je peux avoir les. Je pense que je peux pas avoir les deux en vrai. Si, peut-être. Mais non, impossible d'avoir les deux, les amis. Par contre, du coup, je vais prendre directement celui de gauche parce qu'il est bien meilleur. Donc, on prend ces deux trucs et il faut tirer sur celui de gauche. Celui de gauche. Let's go! Dual shot! Celui-là, on va le recruter encore une fois, c'est nickel. On pourra les fusionner tous les deux ensemble. Et on... Oh, il y en a d'autres. Il me faut le stégosaure, l'ankylosaure, les amis. Celui-là, là. Voilà, parfait. Non, je sais pas s'il est meilleur.
si, il est meilleur. Je crois qu'il est un tout petit peu meilleur. Oh, est-ce que je peux l'avoir enfin? Non, c'est trop, c'est trop. Ah, c'est bon, lui, on l'a eu. Oh, oh. Là, par contre, je vais tenter celui-là, mais j'aurais... Oh, si, j'aurais pu l'avoir. Dommage. Les amis, je pense qu'on va se faire défoncer. Est-ce qu'il aurait... Oh, 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 oh. Non, 6600. Bon, je vais avoir celui-là au moins. Alors, c'est dommage, j'aurais pu en avoir deux comme ça. Ça aurait été tellement stylé, le petit triceratops. Bon, c'est pas grave. J'en ai un autre, donc du coup, je vais pouvoir les combiner. Par contre, ils ont un T-Rex, c'est gigantesque en face. Bon, comment on fait? On fusionne ces deux-là. Venez ensemble. Vous deux ensemble. Vous deux. Vous deux. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Regardez ce qui c'est que j'ai. Un nouveau dino, les amis. Hop là, on y va. Le combat. Let's go. Oh oh. Oh oh. Les amis, on est en train de se faire allumer là. On est en train de perdre. On est en train de perdre. On a perdu ce niveau 9, mais c'est pas grave, c'est ma faute. J'avais qu'à pas me tromper tout à l'heure. Bon, on va augmenter ça. Tac, et on repart au combat. Ah, j'aurais pu augmenter le truc, c'est pas grave. Allez, à gauche. Il faut absolument que j'arrive à avoir le gros dino là-bas. Attention. Oh non, j'ai pas réussi à avoir les deux, malheureusement. Attendez, peut-être que si j'augmente mes dégâts maintenant, je vais réussir à avoir les deux du début directement. Ça serait complètement ouf. Ça serait complètement fou. Oui, c'est bon, j'ai réussi à avoir les deux. Alors là, ça va être incroyable, les amis. On va faire une run de fou malade. Alors, Fire 8, plus 1, plus de cadence. Est-ce qu'on peut avoir les deux là? Oh, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Yes. Oh là là, on va se faire une équipe de fou malade. La meilleure équipe que vous n'ayez jamais vue sur YouTube. Alors, attention. Wow, trop dur celui-là, je peux pas l'avoir en fait. Par contre, le 3000, il va y avoir un moyen. Hop là. Oui. Oh là là, j'ai vraiment pris tout ce que je pouvais prendre, hein. Mais là c'est juste abusé, c'est un lance-flamme que j'ai. Lui par contre, non, je pouvais pas l'avoir malheureusement. Lui je vais l'avoir, et là let's go les amis. C'est parti, pour l'instant on n'a pas réussi à avoir les dinos à 6666, celui que j'ai réussi à fusionner. Wow, mais attends, il y aura plus de cases, plus assez, il n'y a pas assez de cases. Ils vont où? Ah non, si, il y avait deux cases en fait, c'est qu'ils étaient dessus, je voyais pas. Alors, c'est parti, on met ça ensemble, on met ça ensemble, on met ça, on met ça, on met ça, on met ça, on met ça. C'est quoi ce monstre? C'est parti! Oh là là, il fait tellement... Quoi? Quoi? Mais... Attendez, il y a marqué que j'ai gagné, mais... j'ai perdu? Les amis, j'ai perdu, on est d'accord? Oui, c'est le même niveau, j'ai perdu. Et là, maintenant, vous allez pas me dire qu'ils vont réussir à me battre, hein? C'est impossible. Alors, hop, on est reparti, même si on a gagné un niveau. Je sais pas pourquoi on est au niveau 11 alors qu'on a perdu le niveau 10, pas grave. Hop là, on met ça ensemble, on met ça ensemble, on met ça ensemble. On les met tous les deux. Et c'est tout? Je vais pouvoir faire que ça? Non! Mais j'ai une équipe de bras cassés, les amis. Alors, attendez, je vais envoyer les noobs d'abord et les tanks, ils sont derrière. C'est un peu bizarre ma technique, mais peut-être que ça sera plus efficace. C'est parti. Oh, mais oui, c'est efficace comme ça. Let's go! Là, c'est on a vraiment gagné. Niveau 11 réussi, les amis. On augmente la fire rate, les damage, et c'est reparti. Alors là, oh, ok, on va essayer absolument. Il faut absolument que j'arrive à avoir les dinos à 6666. Ça pourrait être complètement fou. Oh non, j'ai pas assez de dégâts là pour l'instant. Là, c'est pas mal. Dual shot, ça peut être pas mal. Hop là, oui, large. Ok, 1500, ça c'est bon, c'est dans la poche, c'est sûr à 100%. Et maintenant, voyons voir. Alors, est-ce qu'il y en aura? Ah oui, il y en a un à la fin, je crois. Ok, ça va être chaud. Il va vraiment falloir que j'améliore tout ça. Donc là, plus 1, ensuite plus 5 de distance. Waouh, mais lui, c'était limite alors qu'il avait 4000. Mais là, on a plus de distance, donc ça peut le faire. Attention. 6000. Non, il a 9999. C'est trop. C'est trop. On va l'avoir, on va l'avoir. Non, il reste 227. Tu es mort. Ah. Bon, je retente, mais je pense que c'est raté, les amis. Je pense que je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Attention. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, ok. Waouh, j'aurais peut-être pu, je sais pas, mais c'est pas passé juste avant, donc j'annule. Oh oh, il y a du monde en face quand même. Il y a du bon niveau, hein. Donc allez, on va combiner. Hop là, ces deux-là, les petits. Hop là. Ok, on est pas mal. Je crois que je ne peux plus faire de combinaison. C'est parti, nouveau combat. Et là, les amis, le niveau 12, on va l'allumer. Et oui, large, ok. Bon, par contre, c'est dommage qu'ils n'aient pas laissé le dino à 666. Alors attendez, peut-être qu'il sera là. Peut-être que maintenant, je peux avoir celui à 9999. Ça pourrait être complètement fou. C'est peut-être le dinosaure le plus rare du jeu et le plus dur à avoir. Alors, toi. Oh, wow, c'était limite, hein. Oh, mais attendez, mais j'ai aucune carte. Non, là, je suis trop nul, c'est pas possible. Donc voyons voir pour ce niveau 13. Ah oh, oui, il y en a un. Ah oh, ouais, mais j'aurai jamais assez. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas eu le temps d'améliorer mes... Oh mais non, laisse tomber, j'ai pas eu le temps. Même lui, je peux pas l'avoir. Ah ouais, mais là par contre, l'équipe en face, là, ça va être trop compliqué. Là, c'est impossible que j'arrive du premier coup à ce niveau. C'est impossible, hein. On va quand même essayer. Oh, oh, on peut pas les combiner, c'est-à-dire que c'est le dernier dinosaure du jeu, les amis. Donc il faut qu'on réussisse ce combat, mais eux, ils en ont 3 comme ça, et moi, j'en ai que, bah, que 2. Bon, bah, allez, c'est parti, mais j'y crois très peu à cette victoire. À mon avis, je vais me faire allumer, quoique... Ah, non, bah là, ils vont me défoncer, ils ont full vie, ils ont full vie. Quoique... Oh, oh, c'était juste, hein. J'ai perdu, mais vraiment, c'était juste. Bon, on va retenter, mais je suis pas sûr de pouvoir en avoir un troisième, moi. Alors, si je mets ces deux-là, les deux rouges, les deux verts, c'est bon. C'est bon, les amis. Normalement, c'est la victoire. Allez, les gars, on y va. Si j'ai vraiment failli gagner avec 2, avec 3, c'est sûr à 100%, je gagne.
Je suis pas sûr en fait. Ah si, c'est mon large. Oh, ils sont même pas morts les trois en fait. Oh, ils ont été tellement puissants. Waouh les amis, je dormais paisiblement avec mon œuf quand soudain, les méchants cyborgs sont arrivés vers moi. Et ils ont piqué mon œuf. Et dans la précipitation, ils ont laissé tomber ce canon. Je l'ai directement équipé sur moi. Alors au nom de tous les dinosaures, je vais me venger. Ah, je sais me servir de votre canon, bande de cyborgs. Vous ne méritez pas la vie. Bam. Rendez-moi mon œuf. Je vais aller le chercher coûte que coûte. Hein, mais attendez. J'ai des super pouvoirs en bas. 1 et 2. Hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. En mode mitraillette. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Oh. C'est les coups de boule avec mon casque. Pop, pop, pop. Ok, vite, rechargez-vous. Il faut que je puisse refaire mon attaque spéciale. Allez, bam. Et de toute façon, toi, je crois que tu es le dernier de ce niveau. Let's go. Donc, on a maintenant la possibilité de faire des crafts avec notamment... Oh, j'ai ramassé un canon. Apparemment, je vais pouvoir le combiner. Et ça devient un canon bleu comme ça. Wow, ce jeu a l'air tellement classe, les amis. Alors, je vais dépenser mes petites vis afin d'augmenter les niveaux de mes capacités spéciales. Et nous, on repart au combat. Oh, on recommence par le niveau 1, les amis. Oh, il va falloir essayer d'aller le plus loin possible. En fait, on recommence au niveau 1 à chaque fois. Donc, ce qui veut dire que notre objectif va clairement d'être d'aller jusqu'à qu'on meure, en fait. Il faut vraiment aller le plus loin possible. Comme ça, on ramasse un maximum d'argent. Allez, capacité spéciale, c'est parti. Oh, ce jeu a l'air hyper addictif, ça va être trop stylé. Et pour l'instant, on est vraiment des armes pas ouf. Hein. Ramasse-moi ça là. Oh, ça l'a pas ramassé, c'est pas grave, ça l'a pris, je pense. Boum, coup de tête. Allez, niveau suivant, j'ai perdu 5 de vie. Hein. Oh. Ah, c'est bon, on récupère notre vie entre les niveaux. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, capacité spéciale. Oh lolo. Ah, on est passé directement en stage 3. Oh, on en a fait 2 pour le prix d'un. Comment ça se passe? Coup de tête. Yes, direction. L'étape numéro 4. Alors, comment ça se passe ici? On l'a pas fait celui-là, tout à l'heure, là. Ce petit niveau-là. Hop là. Oh, attaquer avec la mitraillette. Let's go. Bap, 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 bap. Coup de tête. Oh non, non, je vais attendre le coup de tête. Oh mince, je l'ai fait trop tard. Oh, non, ils vont me mettre tellement cher. Oh là. Oh là, ils sont tellement résistants. C'est des véritables tanks. Oh, les autres, ils font rien. Ils me regardent. Allez, 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 vite, 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 vite. Attention, coup de tête. Bam. On passe au 5e niveau. Là, je vais activer ma mitraillette directement. Alors, venez, bande de noobs. Vous allez me prendre mon œuf. Hop là, hop là. Waouh, ça nous met tellement bien. Et lui, un gros coup de tête. Bam. Ça, c'est réglé. Allez, hop. Emmenez-moi au stage suivant. Ah, ce stage n'est pas fini, les amis. Il faut que j'y arrive. Je suis en train de perdre pas mal de vie, là. Vite, mes capacités. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, voilà. C'est bon, on s'est bien rattrapé. C'est bon, on peut terminer le niveau. Ah non, d'accord, du coup, on a été jusqu'au stage numéro 6, ce qui nous permet maintenant d'accéder au 2e niveau. Ok, donc on n'aura pas besoin de refaire ces étapes-là, mais en tout cas, on va pouvoir améliorer. Notre armure qui est devenue bleue comme ça et que nous allons pouvoir immédiatement passer en améthyste comme ça. Oh, c'est incroyable. Oh là là, mais niveau arme, on va pouvoir se mettre trop bien aussi. Oh. Ok, allez hop, c'est parti, nouvelle arme. Oh, mais let's go. Ok, vivement qu'on en ait une autre comme ça, on pourra passer à l'étape suivante, c'est trop classe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouton-là? Ah, je sais pas ce que c'est. Ok, on va aller dépenser quelques vis en attendant. Oh, j'en ai pas mal quand même. Oh, on peut ouvrir des box. Oh, ah, j'ai pas de box. Allez, on améliore cette capacité au niveau 2 maintenant. Et on repart à l'attaque. Sauf que là, ça va être plus compliqué maintenant parce que... Ah non, on commence... Ah oui, ok, ok. C'est la deuxième partie, là. Oh, oh. Wow, ce nouveau canon est incroyable. Et encore, j'ai pas activé les capacités spéciales. On le fait ou pas? On le fait? Bien sûr qu'on le fait. Oh. Oh oui, non, en fait, c'est la même. Hein. C'est la même chose. Hein. Et coup de tête. Boum, ça c'est réglé. Et toi, on te termine. Et toi également. Et toi, tu seras le dernier de ma liste. Et... Bam! Étape numéro 2 maintenant. Et j'active directement la mitraillette. Et toi, peut-être. Ok, ça, on garde la capacité pour lui. Oh, je l'ai même pas tué en un seul morceau. En un seul coup, par contre. C'est dommage. Hop là. Coup de tête. Coup de tête. Alors, tu remets la coup de tête. Oh, parfait. Ce jeu est incroyable. Et bam! Coup de tête. Alors, va-t-on réussir tous les niveaux de cette deuxième étape? Hop, nous allons voir. Je pense que j'ai fait assez d'améliorations pour pouvoir y arriver. Hein. Peut-être. Hop là. Et vous, je vais vous terminer tranquillement. La capacité spéciale va arriver, attention. Ça va tout courir. Boum. Coup de tête aussi. Let's go. Étape suivante maintenant. Alors, qu'est-ce que ça me réserve sur cette map? Ok, toi t'es un noob, je te pète. Oh oh. Coup de tête. Voilà, parfait, très bien. Pour l'instant, pas de mitraillette. Toujours pas, si c'est le moment, c'est le moment. Yes.
eu un truc d'équipement, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir merge tout ça. Oh, il y a un nouveau chip maintenant. C'est quoi ces trucs là? C'est des cactus? Oh, des cactus cyborgs, les amis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont tellement résistants. Allez, vite, mitraillette. Bam. Ça a fait le ménage, hein, il faut l'avouer. Toi, on te termine également, et c'est bon. Étape suivante, je crois qu'il reste deux étapes, les amis, pour réussir le deuxième niveau du coup. On va voir ce que ça donne. Alors, qui est... Oh, oh. Mitraillette. Oh, ben voilà. Là, il a beau être résistant au cactus. Ah, il a un... Coup de tête, voilà. Boum. Et on va donner. Let's go. Ok, passons au suivant. Il y a du monde, là. Il me faudrait la mitraillette quand même. Il me faudrait la mitraillette parce que je suis en train de prendre cher, là. Je prends pas mal de dégâts, on est qu'à 42% du niveau. C'est bon, mitraillette. Parfait. Coup de tête pour le prochain. Coup de tête pour le prochain. Coup de tête. Non, pas lui. Juste le prochain, celui-là. Bam. Wow, c'est one shot avec ce coup de tête. Niveau suivant maintenant. Et attention, oui, c'est terminé. Yes, on a réussi. Allons crafter maintenant. Alors, j'ai eu des pièces de casque. On va pouvoir mettre ça ensemble. Ça ensemble. Et attention, nouveau casque. Ah non, non, c'est les jambières. En rouge comme ça, c'est tellement stylé. On devrait avoir pareil pour le canon, je pense, en rouge. Oh, il est tellement stylé. Dommage que mon casque, il soit pas ouf pour l'instant. Et les amis, j'adore la mitraillette, donc on va augmenter son niveau. Donc ça, c'est parfait. Allez, venez là, les noobs. Ils sont où, ces petits noobs, là? Y'a quelqu'un? Ah ouais. Oh, je lance des roquettes. What? Oh, il est tellement stylé. Oh, mais là, je one-shot tous les petits cyborgs. Par contre, j'ai une cadence de tir pas rapide du tout. On va sortir la mitraillette. On va sortir la mitraillette. Voilà, c'est réglé. Peut-être. Boum. Oh là là. Oh, oh. Y'a un cactus. Y'a un cactus. Attention à pas se piquer, mon petit dinosaure, mon petit T-Rex. Wow, je fais tellement peu de dégâts par contre à lui, c'est abusé. Coup de tête, bam. Passons à la suite. Alors, poupidoupidou, comment ça se passe ici? Hein, j'ai pas retrouvé mon œuf encore. Dites-moi où il est. Dites-moi où il est, bande de cyborgs. Oh là, coup de tête, c'est parti. Oh, j'ai une nouvelle pièce d'armure. Bam. Toi, t'es mort. Et toi? Toi aussi. Oh non, il y a le retour du cactus avec un œil. C'est pas possible, ces trucs-là. Bam, coup de tête. Voilà, ça c'est réglé. Oh, ça a été tellement rapide. Allez, on active la mitraillette pour terminer ce niveau et on passe au suivant. Oh, là, je réfléchis pas. Je mets ma mitraillette direct. Je vais en avoir besoin. C'est parti. Boum. Coup de tête. Alors, ça, c'est les petits coups de tête. Là, c'est un vrai coup de tête. Voilà, ça fait peur. Bon, vivement qu'on puisse les tuer en un seul coup, ces petits champis là, parce que disons qu'ils m'embêtent pas mal. Mitraillette pour le cactus, évidemment. Et ça, c'est bon. Encore une pièce d'armure. Donc, ça, c'est parfait. Plus que deux niveaux, les amis. Plus que deux étapes. Et on terminera le niveau 3. Ha. Et on va pouvoir améliorer tout ça. Alors là, à mon avis, on va se mettre un peu en mitraillette. Oh là là, on s'est occupé de deux cactus quasiment. Ça, ça fait plaisir. Alors hop, toi, tu prends un coup de tête. Boum. Yes, encore une pièce d'armure. Et toi, coup de tête. Hein, j'ai pas encore un coup de tête. Un coup de tête quand même. Coup de... Coup de morsure. Hop là. Mitraillette. Bam. Allez, étape suivante. Qui sera la dernière de ce niveau 3? Alors, qui c'est qui est en face de moi? C'est beau, ça c'est beau. J'ai une caisse. La première caisse de la partie, les amis. Let's go. Alors, attention. Coup de tête pour lui. Boum. Vite, des roquettes. Vite. Allez, c'est bon, je vais voir la mitraillette. Ça va nous permettre de quasiment terminer ce niveau. Oh, attendez, je vais pas mettre la mitraillette maintenant. Je vais attendre. Lui, on le one shot. Lui, on lui met un coup de tête. Et après, on met la mitraillette. Maintenant, la mitraillette. Bam. Comme ça, on n'attend pas. Oh. Ah, mince, il y en a deux maintenant. Oh, ils me font trop mal. Vite. On garde le coup de tête pour le prochain. Coup de tête. Boum. Yes, c'est réussi. On passe maintenant au niveau 4, mais surtout, on va pouvoir améliorer. Oh, on a une box à ouvrir, c'est vrai. Alors, une box niveau 4. Watch a short hat to open the box. Ah, c'est bon. Wow, j'ai vu tout ça, vraiment. C'est juste abusé. Mais là, je vais tellement pouvoir améliorer mon équipement, c'est juste abusé. Alors, attendez, juste avant, je rajoute la mitraillette, elle sera bien meilleure comme ça. Et là, par contre, oh là là, on va se mettre tellement bien. C'est parti. Et attention, let's go. Ça y est, on l'a enfin en rouge avec la lame juste devant comme ça. Et pour les jambières, on va pouvoir faire pas grand chose. On peut rien faire, les amis, mais il faut qu'on puisse améliorer le canon, s'il vous plaît. Non, j'ai pas assez. Quoique, attendez. Ah non, il va me falloir un autre violet comme ça. Allez, on retourne au combat avec notre nouvel équipement full rouge, les amis. On est full red pill là. On va se mettre bien. Ce qui va nous permettre de. Wow. De faire tellement mal. Boum. Oh, non. Un nouveau mob. Oh. J'aurais dû garder la mitraillette. Non, on va prendre trop cher. Aïe.
Oh, vite, 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 reviens la mitraillette. Oh là là, on prend tellement cher. Oh, je suis pas sûr de y arriver là, tous les niveaux, hein, toutes les étapes, hein, parce que là, ça a l'air tellement plus dur. Oh là, elles font trop mal. J'ai plus 150 de vie. Je suis à la moitié de ma vie alors qu'on est qu'à la première étape de ce niveau 4. Ça va être compliqué. Allez, on va quand même tenter. On va mettre la mitraillette dès que possible, parce que là, vraiment, on en a besoin. Ok, non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Dès qu'il y a une abeille, en fait. On la garde quand il y a l'abeille. Oh mince, j'ai mis un coup de tête dans le vide. Oh, quelle erreur. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se refaire. On va se refaire. Et hop là, hop là. Bon, par contre, je me fais toucher, ça c'est un problème ça. C'est parti, mitraillette. Mitraillette. Voilà, comme ça il nous a pas fait de dégâts. Lui, on lui met un coup de tête. Boum. C'est réglé. Toi, on s'occupe de toi. Et toi, bon, toi c'est one shot, c'est facile. Oh, c'est le boss de fin. Bon, là c'est bon. J'ai pas besoin d'utiliser mes compétences. On va pouvoir le terminer tranquillement et passer à la troisième étape. Bon, la deuxième étape s'est passée beaucoup mieux que la première. Donc, voyons voir. Comment ça se passe pour la troisième? Je sais pas. On va voir ça. Ok. Ça va. Ça va pas. Pa. Voilà. Y a plus personne. Tourne one shot. Bam. Et oh. Boum. Recule, je t'ai dit. Recule. Et hop là. Voilà. Oh, non, elle est pas morte. Il est encore un coup. Oui. Parfait. Ok. Hop là. Ça s'est réglé. Boum. Ha. Coup de tête ou pas? Qui veut un coup de tête? Toi, tu veux un coup de tête? Boum. Oh, j'en ai mis deux. Waouh. Ok. Troisième étape réussie les amis. On passe à la quatrième, l'avant-dernière de ce niveau 4. Pour l'instant, on réussit plutôt bien. Il n'y avait que vraiment la première étape qui a été compliquée. Sinon, pour l'instant, ça se passe bien. Ok, pas mal. Coup de tête. Ok. Tac. Hop là. Oh non. En fait, il ne faudrait pas que je le pousse. Parce que si je le pousse, après je me fais attaquer par l'abeille et le cactus. Ah ça, ça fait mal. Voilà, ça c'est réglé. Toi, on te met un coup de tête parce que j'ai vraiment pas envie de te voir longtemps. Toi, on te mange. Toi. Bon, toi, tu me fais pas peur, alors c'est bon. Hein. Allez, je pense que ça va être le temps. Attention, maintenant, mitraillette, maintenant. Voilà. Boum. Donnez-moi des calculs, donnez-moi tout ce que vous voulez, j'ai pas peur. Et bam. Étape 4 réussie, les amis. Passons à la dernière de ce niveau 4. Et voyons voir s'il n'y a pas un boss. Ha. Je suis surveillé avoir un boss à un moment. Alors, comment ça se passe? Oh, salut les noobs. Oh mince, j'ai activé la mitraillette un peu tôt, je pense. Il n'y avait pas d'abeille, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, elle va vite se recharger, je pense. Alors. On s'occupe de toi. Tac, toi c'est du one shot, y'a pas de problème. Oh oh, cactus. Voilà. Et toi? Voilà, j'ai activé une traillette. Franchement, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, oh, il faut mettre un coup de tête là. Ah, oh, ça pourrait faire tellement bien. Les trois en même temps, coup de tête. Attention, le coup de tête des trois. Oh, les trois en même temps. Les amis, je suis en train de prendre tellement cher. Il me reste 150 de vie. Oh, 90 de vie. Mitraillette, vite. Voilà. Ok. 90 de vie, un coup de tête. Oh, non. Je vais peut-être mourir, les amis. Je vais peut-être y laisser la vie. Ah, non. Il me reste 35 de vie, 5 de vie. Waouh. On a fini avec 5 de vie. C'était vraiment juste. Oh, là, on va être obligé de faire des améliorations. On n'aura pas le choix. J'ai eu une box, apparemment. Ah, je savais pas. Ah, c'est parce que je suis passé niveau 5. Oh, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, oui, il y a du lourd, il y a même du violet, il y a du épique. Alors, go faire du craft un petit peu. Bon, alors, wow, il y a pas mal de choses à crafter. Bon, on va berger tout ça. Hop là, le rouge passe en jaune amélioré. Ok, est-ce que je peux faire autre chose? Je crois pas. Ah si, attendez, je peux faire ça, mais bon, pour l'instant, ça servira à rien. Ok, on repart sur du jaune, du coup. Ok, tac. Tac, tac, et attention, du jeune aussi. Hop, on combine ça pour le plaisir. Et au niveau du canon, là, on va se faire plaisir aussi. Boum, on retourne sur du jeune. Alors là, par contre, j'ai très hâte de savoir ce que ça va faire. Parce que, à mon avis, ça va être du sale. Hein. Oh, j'ai eu un nouveau super pouvoir. Bah, écoutez, je sais même pas ce que c'est, mais je vais direct améliorer vu que j'ai... Oh là. Waouh, j'ai pu le mettre niveau 5. Oh, ça va être ouf. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une accélération. Oh, c'est la dernière étape avant de passer au nouveau biome. Alors, c'est parti. Let's go. Testons donc cette nouvelle habilité. Oh là là, la cadence est trop bien. Hop là, par contre, faut recharger. Ah, mais le... Oh, What? C'est ça, c'est une chaîne, en fait. Mais c'est quoi, ce délire? C'est quand même pas mal, hein. Alors, attendez. Hop, toi, tu prends un coup de tête. Toi, allez, c'est parti. Mitraillette, j'ai pas le temps. Moi, je veux passer à la deuxième étape. Oh là là. Mais là, je vais vraiment être trop fort avec mon nouvel équipement. Oh. Mettez-moi, t'es mec hyper dur, j'ai pas peur. Mitraillette, bam. On va sortir les chaînes. Il neige dehors, attention. C'est parti. Ah non, pas maintenant, y a pas assez de monde. Toi, tu prends un coup de tête, par contre. Ok, les chaînes, mettez-moi du monde, là. Ah ben non, mais c'est bon, le niveau 2 est terminé. Oh, mais là, on est en train de tout péter, hein, c'est juste trop facile. Ah, yes, les chaînes. Oh, y a tellement de monde, là. Oh, bam. Voilà. Et toi, bam. Toi, t'es mort.
Allez, encore un peu, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Attention. Boum. Ok. Yes. Niveau étape 3 terminée. Là, franchement, tout se passe bien pour l'instant. Je pense qu'on va réussir à aller au prochain biome sans trop de problèmes. On va activer la mitraillette. Un peu tôt, je pense, mais c'est pas grave. Oh, oui, faut que ça touche les cactus, Ok, pas mal. Un coup de tête dans les cactus. Donc ça, c'est super. On est bien. Oh, mais il y a du monde là quand même derrière. Il y a beaucoup de monde. Il faut résister. Allez. Il faut activer la mitraillette. Maintenant. Bah. Ok, ça nous a mis bien. Il faut maintenant mettre un coup de tête. Boum. Voilà, c'est bon. C'est réussi. Waouh. C'était chaud quand même. Hein. J'ai eu peur. Il y avait quand même beaucoup de monde. Allez. Oh. Qu'est-ce qui va se passer? Le boss. Je savais qu'il y aurait un boss à un moment. Oh. Oh là. J'active tout. Mitraillette. Coup de tête. Boum. Attention. Aïe. Oh 252 vies, ça devrait le faire. Oh. Allez, go, il faut s'arrêter là. Oh là. Allez. Coup de tête vite. Et on va terminer. Non. C'est bon. Oh, 42 vies, j'ai failli mourir. Let's go. On a battu le premier boss cyborg. Ha. Les T-Rex sont bien plus puissants que vous, bande de petits robots. Mon petit dinosaure, tu n'as plus à t'en faire, tu es entre de bonnes mains. Hein, pas vrai les amis? Il est entre de bonnes mains? Ouais bon, oubliez cette fois-là, j'étais fatigué. Alors t'inquiète pas mon pote, suis mes mouvements de souris et tu vas pouvoir manger. Oh, attention, ça bouge pas mal ces petits poulets. Et on va pouvoir maintenant directement se transformer en Triceratops et pouvoir recruter une armée encore plus grande. Car oui les amis, aujourd'hui on est sur Dino Run et on a déjà un Spinosaur qui nous accompagne et qui continue à recruter un maximum de dinosaures. On a une armée incroyable pour commencer, on mange encore et on est devenu ultra fort, on est déjà niveau 7. Avec ce qui semble être un brachiosaure, même s'il est tout petit pour le coup, mais oui, ça a l'air d'être ça. Et en tout cas, nous les amis, on va pouvoir commencer à faire des fusions. Histoire d'avoir, pourquoi pas, un deuxième niveau 7, ça sera pas le cas maintenant. On a déjà deux triceratops qui donnent un spinosaure. Et on a des ennemis. Ok, pas de problème, ça devrait le faire. Franchement, on a une armée de dingue. Le triceratops, on a fait qu'une bouchée. Et les deux noobs, c'est bon, c'est fait. Et on a débloqué maintenant un nouveau dinosaure. Bon, c'est un mini T-Rex niveau 1, c'est pas exceptionnel, mais au moins, peut-être qu'on va commencer avec celui-là dès le début. Ah non, j'ai perdu tout le monde. Ça veut dire qu'à chaque niveau, on va devoir se refaire et tenter d'aller encore plus loin. Donc, autant commencer avec le deuxième dinosaure. Et c'est parti pour le niveau 2 qui s'annonce un petit peu plus compliqué. On va pouvoir monter à l'étage là-bas. Pour l'instant, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. On doit manger du poulet, manger du dino. Et on a déjà une armée qui, pour l'instant, est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il faut monter? J'imagine que oui, en espérant pouvoir me battre contre eux. Et évidemment que oui. Enfin, pas les battre. Plutôt les recruter. C'est les poulets qu'on bat. Ou plutôt qu'on mange d'un seul coup comme ça. Qu'importe qu'on soit herbivore ou pas. On mange tout, nous. Hop là. Alors, comment ça se passe? Hop, on va mettre ça, les 3 et 3, et attention. Mais j'avais pas vu. Enfin si, je l'avais vu pendant qu'on courait, mais on a un ankylosaure et il est niveau 10. C'est énorme. Ah, et on peut déjà en acheter 2. Allez hop, on en achète 2. Ça va pas faire une grande différence, vu mon armée incroyable. Alors le bébé, on va le mettre derrière quand même, hein. Ça serait bête qu'il se fasse avoir. Et le gros bourrin, on le met au milieu. C'est parti. Alors, waouh, attendez, revenez en arrière. C'est... Ah, pourquoi? On m'avait pas dit qu'il y avait 3 ennemis différents là. On peut repartir sur le runner? Apparemment pas. Allez go, du coup, se battre. Ne perdons pas espoir. Ces 3 là, ça devrait le faire. Boum. Ah ouais. Plutôt simple. Allez, suivant. Oh, ils sont chauds eux, par contre, hein. Oh, je suis en train de prendre tellement cher. Je vais mourir, mais non, ça va. Mon tank est en train de réussir à tanker, justement. Et boum, c'est fait. Et on va maintenant déverrouiller le comment ça s'appelle? Pterodactyle? Non, c'est un pteranodon. Wow, il m'a complètement allumé. Mais on est quand même passé au niveau 3. Je pense qu'en fait, on va le revoir plusieurs fois, le pteranodon. Et il faudra réussir à l'attraper. Ça va pas être simple. Donc il va falloir manger un peu plus que ça à la cantine. Hein. Wow, tous à droite. C'est bon, ça passe. Alors attention aux petites flammes qu'ils ont rajoutées. C'est quoi mes 4 dinos là? Ah non, c'est le nombre de dinosaures que j'ai en tout. Ok, je savais pas que c'était écrit ici. En tout cas, on va pouvoir confirmer, remonter. Oh, il y avait pas mal de choses en bas. J'aurais peut-être dû rester en bas. J'en sais rien. On va voir si j'ai fait le bon choix. En tout cas, on mange, on se met bien. Et oui, c'est bon. Il est encore là-bas. Les ennemis sont bien vaincus. Donc on va pouvoir juste fusionner tout ce qu'on a. Avoir 2 niveaux 7, 2 niveaux 8, 2 niveaux 9. Et pourquoi pas un autre? Ah, on aura pas assez d'argent. Ça sert à rien que je le dépense. C'est pas grave. On y va. On va tester ça. Alors là, on est tous full life. Ça devrait le faire. Un niveau 10 et un niveau 9. Ça devrait suffire à enlever les 25 de vie. Ou alors il est niveau 25 lui. Je sais pas. En tout cas, il one-shot mes dinosaures. Non, allez. Wow. Je crois que s'il se faisait attaquer, il se faisait one-shot. Et allez, c'est gagné. Là, c'est parfait, on a eu énormément d'argent. Par contre, on peut augmenter nos revenus, les amis. Ça permet de passer de x1,5 à x1,50. Ça peut valoir le coup pour les niveaux suivants. Donc allez, on investit et on verra ça tout à l'heure. Est-ce que la voie de gauche est pas mal, les amis? Je pense que oui. On y va. Oh, par contre, on est 10 fois plus rapide. Qu'est-ce qui se passe? Hop là, venez avec moi. Ouh, attention. Et au 7, franchement, c'est mis bien. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à droite. Apparemment, pas grand-chose. Par contre, il y a énormément de dinosaures en face. C'est quoi ce délire? On est passé d'un niveau moyennement facile à un niveau extrêmement difficile. Bon,
En tout cas, on a du boulot. Alors, est-ce que je garde mon argent ou pas? Non, on garde pas non. On investit. On a dit on investit. Il nous faut des dinosaures. Alors, 3 et 3, est-ce que j'ai du niveau 4 là ou pas? Non, j'en ai pas. Donc, enfin, j'en ai qu'un seul. Il m'en faut encore un et on sera bon. 3 et 3, 4. Ok, c'est bon, ça passe. Ah, mais j'avais déjà 2 et 5. Ok, 6 et 6, 7 et 7. Et bah voilà. Non, toi, tu restes derrière toi. On a dit je te protège aujourd'hui. Oh, j'avais oublié qu'ils étaient nombreux. Alors, on va s'occuper de ces premiers. À mon avis, on débloquera pas l'espèce de monstre qu'il y a au fond là-bas. Qui a l'air d'être un T-Rex un peu plus grand. En attendant, on va essayer de se faire toute l'armée des noobs. Hop là, allez, encore lui. Oh non, il a aussi un ankylosaure. Donc, à mon avis, il va me battre. Mais l'avantage, c'est que je vais en tuer pas mal. Quoique, alors attendez. Oui, je l'ai eu. Allez, vas-y, vas-y. Yes. Oh, parfait. Donc là, c'est bon. Prochain niveau, on aura juste lui à se faire. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Tu vas me tuer. Y a pas de problème. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, on a tous compris ce qui allait se passer. Voilà, merci. Par contre, prochain niveau, t'es mort. Alors, 195$, ça commence à être énorme là, les revenus. On va pouvoir évoluer peut-être 2 fois. Oui, 2 fois. On commence directement niveau 4. Alors, ça, franchement, ça peut être un sacré avantage pour la suite. Alors, par contre, il nous faut un pont. Il arrive au bon moment. Alors, le 7, je peux pas l'avoir. Hop là. Quel dommage. J'aurais bien aimé qu'il rejoigne mon armée. Alors, go se faire le 4. Voilà, parfait. Attention. Les clôtures électriques, les amis. 4. Alors, est-ce que ça vaut le coup de rester en bas? Ah, je sais jamais. Hein. Il y avait pas mal de dinos. Hein. En tout cas, ah non, ça va. C'est les niveaux 5. Je crois que c'est des niveaux 1. Hop. Donc, du coup, on va prendre cela. Ouais, je pense que ça valait le coup de rester en haut. En tout cas, on a un niveau 9. Deux niveaux 9. On va pouvoir découvrir une nouvelle évolution. Oh oui, les amis. J'ai même directement un niveau 10. Oh. On va pouvoir fusionner les deux ankylosaures et avoir le même, mais avec un skin différent. Alors, comment ça se passe? On va garder notre argent pour la suite. En attendant, on va faire ça et ça. Je pense que je n'ai pas besoin de m'embêter à faire les fusions. On a juste à aller s'attaquer au boss. Retournez-vous. On va envoyer tous les noobs en premier. Voilà. Comme ça, il s'attaque au noob. On met pas dans l'eau. Hein. Allez, on descend. C'est parti. Voilà, comme ça, mon ankylosaure, il a tout le temps pour lui mettre des coups. Hop là. Là, il a la moitié de sa vie. Il a éliminé quasiment 75% de mes dinos. Mon ankylosaure est mort. Mais qui va faire des dégâts maintenant? Non, c'est pas vrai. Bon, j'espère qu'il va rester bien amoché pour ce niveau-là. En tout cas, nous, on va pouvoir augmenter nos revenus encore. Fois 1,75. Yep là. On est presque au x2 qui met tellement bien. Hop là, reviens là, ton petit poulet. Alors là, on a directement des pièces qu'on va pouvoir collecter sur la roue du bonheur, la roue du paradis. Yep là. Non, vous inquiétez pas. Je vous amène pas au paradis, les dinosaures. Vous n'êtes pas encore mort. Hop là. J'ai bien dit pas encore. Parce que s'il a récupéré toute sa vie, machin, vous allez y passer, je pense. À moins que 2 ankylosaures me permettent de survivre. Wow. Non, 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 évite-le, lui, évite-le. Non, non, non. Wow. Les petits ont failli se le faire. Allez, on développe le pont et on va pouvoir terminer les fusions. On fusionne les deux niveaux 11 et ça donne encore un ankylosaure d'un autre skin. À mon avis, après, on aura un nouveau dino. Mais d'abord, il faut faire pas mal de fusions. Oh, je peux monter au niveau 10. Parfait. On garde notre argent encore une fois. Et s'il a pas récupéré sa vie, on va se le faire rendre de vie. C'est bon, les amis. Hop là. Finger in the noise. Les doigts dans le nez. Ha, c'est bon ou pas? Attendez, mais c'est qu'il avait détruit mes 2 ankylosaures en fait. Ils sont trop puissants, ces dinos de fou là, ces boss. 337$. On passe donc directement. Oh, attendez, d'abord on a un bonus level. On va en profiter. On va se mettre bien. C'est le paradis de la thune. Voilà, comme ça, je ne peux pas rater une seule pièce de monnaie. Et là, encore moins. Ouah, si, j'en ai raté. C'est pas vrai, pourquoi ils m'ont mis un dinosaure aussi fin? Hop là. Ok, là c'est pas mal. Tac, 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 tac. Oh, on va se mettre tellement bien. Hop là. Alors j'espère faire un x2 après, avec tout l'argent qu'il y a à la fin. Là. Les petites pièces. Hop là. Alors, comment ça se passe? 371$. Ok. Je pense que là, niveau revenu, on est bien. Hein. On le met en x2 quand même. Mais tout le reste, on va le mettre dans les évolutions. Comme ça, on commence niveau 6. Et là maintenant, niveau 8 va faire des dégâts. Donc, plus un niveau, on commence même à niveau 7. C'est parfait, ils ont sorti les portails d'amélioration. Ne nous rendons pas la tâche la plus difficile. Oh, il a fallu attaquer mes noobs derrière, pas de problème. Alors, niveau 9, on peut le prendre maintenant. On va rajouter plus 2. On est déjà niveau 11. Oh. Ok, les fusions d'ankylosaures vont être possibles. Et on va même passer niveau 13. On va même peut-être pouvoir découvrir, oui, ça y est, la nouvelle évolution de dinosaures. Donc là, ça va être. Oh non. Non, non. Pourquoi on est obligé de se taper des portails négatifs? C'est quoi ce délire? Bon, on va essayer de minimiser les dégâts. Hein. On finit niveau 10. Je suis monté à 14 ou à 13. C'était énorme. Et là, je me retrouve comme un noob. Bon, c'est pas grave. On a une poubelle. On peut virer les dinos qui sont un peu nuls. En tout cas, de niveau 12, ça donne l'évolution niveau 13. Encore. Il y a plat qu'on a eu vite fait pendant le run. On l'a récupéré, ça fait plaisir. Et on va pouvoir remonter au niveau 10. On peut dépenser de l'argent. Je ne vais pas le faire, les amis. On va le garder pour la suite. En attendant, on a 5 zones d'ennemis. C'est énorme. Je pense qu'on va pouvoir se faire les 4 premières, mais pas le dernier. Alors là, ça le fait. Pas de problème. Quoique. Oh, ah ouais, ouais, ça commence à être chaud là. Yep, yep, yep. Allez, encore une. Parfait. Alors, je sais pas si c'est un stégosaure ou un canthrosaure ou un quetrosaure, je sais pas. Mais en tout cas, il a l'air très stylé. Bon, on ira pas maintenant. Ah ouais, non. Pas du tout. Bon, malheureusement, j'ai pas eu énormément d'argent. Ce qui fait qu'on va pouvoir améliorer peut-être. Ah, 2 fois, non. Juste 1 fois. Quel dommage. Alors, plus de. Oh, les niveaux ou les dinos? Les niveaux ou les dinos? Ah, j'hésite, j'hésite. Bon, il y avait un dino à droite, donc j'y suis allé. Hop, comme ça, on va pouvoir prendre ces deux-là. Je crois que ça valait le coup. Je suis pas sûr. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, nous, on est déjà niveau 13. Oh, attention, parfait. Attention, flamme. Ok. On est bien. On recrute
recrute les deux noobs avec nous et on prend le plus 1 et on est déjà niveau 14. Bon, une évolution qu'on avait déjà vue, le bleu comme ça. Oh, on peut retourner au niveau 10? Non, absolument pas. Heureusement que les autres, ils prennent pas les portails. Donc, oh, on va finir à niveau 16. Mais c'est énorme. Oh, on va avoir une évolution de dingue. Oh là 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 là, c'est quoi ce dino là? C'est quoi ce dino? Il a l'air tellement stylé. Bon, comment ça se passe? J'ai de la dépense ou pas? Non, je fais de la fusion. Ce sera déjà ça. Ah ouais, ça serait trop bien les amis. Alors, je suis obligé de faire une dépense parce que je crois que je peux avoir. Hop là, une évolution pas trop mal. 3, 3, 4. Il m'en faut un autre de 5. Donc, hop, hop. Hop, alors j'ai du mal à estimer combien il m'en faut rapidement sans calculer correctement. Ah là, il me faut encore un niveau 4. Normalement, je devrais avoir assez d'argent. Hop là, c'est bon, hein, je me trompe pas, oui, c'est ça. Ok, on est bien. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir faire à la chaîne 6 et 6. Ah mais non, j'avais pas de niveau 7. Bon, allez. Pour le fun, on va en rajouter plein. Mais on va juste se faire allumer. Allez, go. Alors, Ah oui, ils ont rescué 4 personnes. Hein. Par contre, la vérité, on est quand même pas mal. Hein. Y a peut-être moyen qu'on se fasse le boss. Hein. Allez, boum, boum, boum. Oh, j'ai pris cher. Hein. J'ai perdu la moitié de ma vie. Oh, oh. Il est là, le stégosaure. J'arrive, mon pote. Bam. Alors, ça va, ça se passe bien. Ouais, ouais. Et heureusement qu'il attaque pas très vite parce qu'il one-shot. Mais le dinosaure dure pas longtemps. Allez, allez, s'il y a moyen de le faire. Hein. Non, non, c'est mort. Là, il me reste que des noobs, là. J'ai perdu mes meilleurs dinosaures. Oh non. Allez, on commence niveau 8. Toujours plus. Oh, on commence niveau 11, carrément. Alors là, niveau portail. Oh, alors là, les amis, y a deux chemins différents, vraiment. C'est difficile de savoir quel est le meilleur. Là, j'ai pris ce côté parce qu'il y avait le plus 3. Mais de l'autre côté, il y avait la voie verte. Hein. La voie verte qui permet de récupérer des pièces de manière plutôt optimale. C'est pas grave, on va dire qu'on a pris le meilleur chemin, hein. Surtout qu'on a là une voie verte juste après, qui va nous permettre de faire plus 1, et de recruter 2 dinos, et d'être niveau 16. Waouh. Non. Mais non. Pourquoi ils m'ont mis ça? Oh, j'avais pas assez d'espace. Oh, poubelle. Alors, tout ça, poubelle, là. Je veux plus vous voir, niveau 1. Ils sont passés où, mes meilleurs, là? Alors, j'ai le niveau 16, mais en fait, je crois que j'en ai perdu parce que j'avais plus de place. Bon, pas grave, hein. Ne nous plaignons pas. Allons directement sur le boss, et on va se le faire. Ouais, bon, ils sont un petit peu lents, hein. Il y a de la carcasse à bouger. Allez, normalement, ça va passer. Normalement, hein. Normalement, oui, c'est bon. Il m'a enlevé quand même la moitié de ma vie assez rapidement. Et le pteranodon va bientôt être à nous. Mais pour cela, il va falloir dépenser de l'argent. Alors, une fois, et c'est tout, malheureusement. What? Les amis, portail plus 9. On passe directement niveau 19. Et on a un pteranodon pour nous. Le stégosaure est prêt à... Alors, s'il vous plaît, me mettez pas de portail négatif. Pas de portail négatif. Hop, on monte. Un portail positif. Plus 1. Parfait. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle évolution de dino? Plus 1. Oh, oh oui, on en a un nouveau. Alors, celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Ah, je les déteste, c'est des tout petits dinos, là. Oh, moins 9. Mais non. C'est pas vrai. Gâche tout tout le temps. On est mort. Mais attendez, pour me consoler, regardez-moi cette panoplie de pteranodons de toutes les couleurs qu'on a. Incroyable. Allez hop, 12, 13. J'aimerais bien un autre 13, s'il vous plaît. Ah, mais c'est des archers. Quoi? J'avais même pas capté que c'était des archers. Attendez, c'est quoi ce délire? Oh, ils sont directement niveau 10 quand on les achète. Waouh, c'est-à-dire que je peux avoir le niveau 13. Qui est, what? Un dinosaure plante carnivore. Non, non, je sais pas lequel c'est celui-là. Hein. Oh. Dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle. Il est très spécial en tout cas. Attendez, parce que ils sont sortis de leur zone. Je suis censé le prendre comment? Ils me provoquent ou quoi là? Ils veulent se battre contre moi? C'est parti. Alors, battez-vous. Eh? What? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas y aller, c'est fermé. Bon, j'ai relancé le jeu et il semblerait qu'ils soient encore sortis de leur cage. En tout cas, moi j'ai encore la possibilité de faire des encore des fusions. Hop, niveau 17 maintenant. Et bah malheureusement, je crois que le jeu est terminé, les amis. La tribu va sortir de la caverne de droite. Moi, je dois protéger absolument l'œuf qui est à ce niveau-là. Pour cela, j'ai un arbre qui produit des pommes et qui me permet de lancer des dinosaures dès que possible. Là, par exemple, j'ai 3 pommes, je peux avoir ce dinosaure-là. On va aller voir. Oh, il y en a un qui est déjà avancé. Et moi, je peux aider mes dinosaures à frapper ces petits malins qui voudraient m'embêter. Alors ça, c'est ma pierre spéciale que j'ai débloquée parce qu'il y aura tout un tas d'items à débloquer tout au long du jeu. Pour l'instant, c'est vraiment pourri. Hein. J'ai pas des trucs de ouf. Je peux améliorer mon arbre également pour qu'il produise plus de pommes. Par contre, faut que je me dépêche. Faut que je lance des cailloux en même temps. Hein. Il y a beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, mais on va les défoncer. C'est les premiers niveaux, ça va être très simple. Je vais mettre un nouveau dinosaure. Viens nous aider et... Oh, ça va le faire, ça va le faire. Lui, il est beaucoup plus résistant que ses collègues. Je vais mettre une bombe là comme ça. Eux, je pense qu'ils vont crever. Oh là là, lui, il a pas pris. Je l'ai même pas touché. Ok, vite, il faut mettre des dinosaures. Un maximum. Ah ouais, non, là, parce que là, il y a les deux costauds là. Les deux costauds, ils approchent de mon œuf. Hein. Hop, allez, finis-le. Je te laisse le finir. Parfait. Et apparemment, ça sera le dernier. Hein. C'est bon. Ce niveau-là, on l'a poutré. Hop, je vais quand même remettre des dinosaures au cas où. Mais c'est bon. On les gère et... On gagne cette partie, enfin je crois, hein. Non, oui, c'est bon. Très bien, donc on gagne des pièces et de l'XP, ça c'est parfait. Et donc comme je disais, on va débloquer des nouveaux dinosaures et il y aura sûrement des hommes des cavernes de plus en plus puissants. Alors du coup, j'ai débloqué la bombe cachée, on va aller voir dans la boutique si on peut l'acheter tranquillement. Renforce ton raptor. Ah du coup, on a les noms des dinosaures, donc là mon raptor, on va pouvoir le mettre. Hop, voilà, alors que c'est... Ah oui, il faut attendre un petit peu, il faut attendre 17 secondes, on va le passer. Attendez, parce que tant que j'y suis, moi je vais améliorer d'autres choses, je vais améliorer mon Snappy également. Hop. Et je peux également améliorer mon œuf de dino parce qu'apparemment, dès qu'ils atteignent l'œuf, ils le détruisent pas directement. Il a 500 de vie avant d'être complètement défoncé. Oh, je peux avoir les T-Rex
Rex Junior. Bon, vas-y, je débloque direct. 20 gemmes, je prends. Et du coup, la bombe cachée qui est là, 300 de pièces. Je vais prendre ça également. Et allez, c'est parti. On va se taper le niveau 5. Et je crois qu'à partir, ouais, c'est ça, au niveau 10, il y a comme un boss où je sais pas trop ce que ça va être. Bref, le jeu a l'air super sympa. C'est parti. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord, c'est un piège qui se met en début de partie. Bon, là par contre, il coûte 16 celui-là. Oh là 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 là, il va me falloir des pommes. Hein. Il va me falloir des pommes. Celui-là est protégé contre tous les coups sauf les bombes. Ah ah, donc ça sert à rien que je lui lance des cailloux alors. Hein. Par contre, je peux lui lancer celui-là. Oh attendez, il faudrait pas qu'ils enlèvent mon piège quand même. Hein. Oh mince, ça a cassé mon piège, what? Pourquoi ça a cassé mon piège? Bon, c'est pas grave. Allez, on envoie des raptors. C'est parti, on envoie. On a besoin de renforts. Venez vite, les amis. Venez. Allez, moi je m'occupe de lui tranquillement. Ça dégage. Hop, je vais lancer des pierres sur celui de derrière. Attendez, mes pommes. J'améliore mon arbre. Je pourrais le réaméliorer à partir de 20 pommes. Hop, je lance ça. Allez, je vais en commander un. J'en commande un. Oh putain, mon écran se met à vibrer. Let's go. Oh là là, je veux le voir en combat, lui. Je veux le voir au combat. Bon, attendez, je vais quand même lancer un petit caillou sur... Oh, je voulais pas le lancer sur lui. Bon, il a protégé son pote. Hein. Bon, on va le voir au combat. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je peux en avoir qu'un seul comme ça. Bah, tu m'étonnes. T'as vu ce qu'il est? Regarde-le, il va rien faire, lui, avec ses petites branches. Il va rien faire, il va se faire démonter. Let's go. Nouveau dino arrivé, c'est le crasher. Ah, j'ai débloqué les crashers, là, comme ça, du coup. Ah, eux, ils doivent tirer à distance, je pense. Genre, ils peuvent se mettre à partir de là et tirer sans se faire toucher. Ils se font démolir. Ok, je crois que le niveau est plié, là. Ah non, c'est pas fini. J'ai même pas besoin de lancer de cailloux, en fait. Donc, le crasher, il crache des balles de très loin, mais sa santé est très faible. D'où le fait qu'il faut le protéger avec d'autres dinosaures. Allez, du coup, on le débloque. C'est parti. Allez, du coup, voici les prochains dinosaures qu'on pourra avoir. Ah, je peux avoir déjà le mammouth, apparemment. Par contre, je peux avoir des tirs supplémentaires de je sais pas quoi. Attendez, je vais activer, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, je peux tirer plus rapidement, ouais. Je peux avoir des faux œufs également. Une superbe imitation d'œuf, ça va faire perdre du temps aux hommes des cavernes. Ok, mais j'active ça. À mon avis, ça va se placer juste devant mon vrai œuf. Du coup, les crashers, ils donnent combien? Ah ouais, mon faux œuf, il est là, et le vrai, il est là, il est vraiment protégé, il n'y a pas de problème. Allez, on envoie un petit dino calme. Hop, alors attendez, je vais essayer de le péter avant qu'il expose mon petit piège qui pourrait être utile pour plus tard. Oh non, c'est moi qui l'ai explosé encore une deuxième fois. Oh là là. Allez, je vais prendre des crashers un petit peu, je vais prendre des petits snappy et des raptors. C'est parti. Oh putain, c'est qu'ils vont atteindre déjà mon faux œuf, hein. Déjà. Oh là, faut que j'améliore mon arbre, vite. Waouh, ok. Oh, ça leur fait perdre tellement de temps. Et boum. Allez, on va utiliser la bombe. C'est parti, attention mes dinosaures. Boum. Oh putain, lui aussi, il peut attaquer à distance du coup. Regardez-le avec sa petite lance. Là, il la tient à deux doigts, là. Whip, whip, je te mets des petits coups comme ça, là. Vas-y, tu vas pas faire le malin. Arrête-toi là, toi. Boum. Ah, oh, ça l'a pas tué. Oh putain, mais c'est qu'il commence à faire mal, là. Il commence à faire mal, les types, hein. Allez, restez loin. Ok, niveau réussi, c'était très simple. D'accord, maintenant j'ai les buissons qui vont me permettre de faire perdre du temps aux hommes des cavernes. Allez, débloque-moi ça, là. Bon, qu'est-ce qu'on améliore, là? On va améliorer le raptor un petit peu. Le snappy aussi, hop. Allez, tout le monde a le droit à sa petite amélioration. Même mon œuf de dino, allez. J'ai la possibilité de prendre le Rocky, le jumeau maléfique de Rambo, fonce au combat sans crainte. Je le veux, celui-là, clairement. Hop, on va même l'améliorer. Oh, d'accord, ça lui rajoute un petit truc au skin. C'est pour ça que mes crashers, ils avaient des trucs sur leur skin. Oh, putain. Oh, je veux tester ça, moi. Je veux le tester, absolument. Ah, d'accord. J'ai tellement de dinosaures maintenant qu'il faut que je fasse des choix. Alors, attendez, on va enlever celui-là. On va mettre mon Rocky. Et on sera pas mal comme ça. Hein. Allez, viens là, petit dino. C'est parti. J'ai mis un Rocky. Oh, putain, il arrive en masse. Oh putain, il va tout démonter. Oh, let's go. Oh merde, il est parti par contre. Il est parti où? Attendez, du coup, il est plus avec moi là. Oh merde. Ouais, du coup, j'ai plus de Rocky, hein. Il s'est barré. Hein. Bon, venez vite, mes petits raptors là. Oh, ok, alors là, c'est la sorcière, il faut la tuer. Elle est en train de soigner l'autre et c'est la priorité. Là, il faut absolument le tuer derrière. Oh, mes dinosaures sont en train de se faire démonter. Aïe, aïe, aïe. Il va me falloir... attendez, est-ce que j'améliore mon arbre? Ouais, je vais améliorer mon arbre. Comme ça, je vais pouvoir mettre des Rocky là. Dès qu'il y a la dernière vague, dès que tous les hommes sont là, j'invoque un Rocky et c'est terminé pour eux. Attention, ils vont tous se faire démonter. Franchement, mon faux œuf, il est bien. Allez, c'est parti. Rocky, viens là. Viens là, mon pote. Viens tout démonter. Boum, 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 boum. Et c'est terminé. Du coup, nouveau truc maintenant, c'est les rochers glacés. Tu as déjà embrassé un Yeti, écrase et gèle les hommes. Hein, on peut les, comme les stuns en fait. Faire en sorte qu'ils bougent plus tout simplement. Le pouvoir de l'arc-en-ciel de l'amour. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'achète? Je sais pas ce que c'est. On verra. S'il y a un truc en arc-en-ciel, on comprendra vite. Allez, on va tester ça, donc. On va le tester sur lui. Pendant combien de temps? Ouh, oui, d'accord. Il avait un arc-en-ciel. C'est juste hyper stylé, en fait. Oh, ça fait mal, en plus, hein. Ça a stun, et en plus, ça fait mal. Allez, on va le terminer comme ça.
Moi, je vais améliorer mon arbre. Hop, voilà. Je vais juste le terminer au caillou, lui, tranquillement. Alors, je vais leur mettre une petite bombe comme ça, là. Boum. Ok, ça l'a pas terminé, lui. Eh, je vais même pas invoquer de dinosaures. Je vais juste améliorer mon arbre. Et dès qu'il y aura trop d'hommes des cavernes, je vais mettre un Rocky. Hein. Les Rocky, c'est juste ouf. Hop, j'améliore encore une fois mon arbre. Allez, occupez-vous de ce faux œuf. Je vais leur lancer quand même ça. Hein. Hop, voilà. Ça va déclencher ma bombe aussi, je crois, là. Ah non, c'est bon. Ah, ça l'a tué carrément. Allez, c'est parti, Rocky. Viens là, mon pote. Viens là. Occupe-toi d'eux. Ah, mon buisson, il s'est mis là-bas, hein, par contre. Boum, boum. Plus ça va, plus on avance dans les niveaux. Il a tous démonté. Plus ça va, plus le monde est grand. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un petit peu de distance avant d'arriver à mon œuf. Hein. Allez, on va lancer les crashers un petit peu. Allez, les crashers, on y va. À la queue, le. Mettez-vous juste derrière le faux œuf et c'est bon. Hein. Allez, c'est parti. Je vais mettre une petite bombe ici. Ça va activer mon piège et ils vont tous crever. Ah non, pas tous, mais par contre, une petite pierre et. Boum. Allez, les crashers, on y va. Oh, ils font mal avec leurs branches. En même temps, les crashers, et franchement, ils prennent trop cher, les crashers. C'est abusé. En deux coups, ils sont morts. Oh, c'est l'homme tronc. Oh, alors lui, il doit être résistant de fou. Hein. Attendez, je vais lancer des pierres en attendant. Hop, je vais améliorer mon arbre. Oh, je suis au rang 4 là. C'est pas mal. Hein. Allez, les gars, on y va. Une petite bombe et à mon avis, lui, il tombe. Hein. Et là, il a beau avoir. Ok, il est vachement résistant en fait, hein. Il est très résistant. Allez, j'envoie un petit Rocky ou pas? Non, j'envoie pas de Rocky, ça sert à rien. Oh putain, ils ont mis mon faux œuf à la moitié de sa vie, on faut faire attention quand même. Allez, je tue lui et j'envoie un Rocky. Hop, j'ai débloqué un nouveau dino, le Triceratops, et du coup ça l'a directement mis sur la planche. Et à mon avis, lui c'est comme un Rocky, mais en juste en plus tranquille, il court un peu moins vite et... Ah non, il fait moins fort. Il tape moins fort. Hein. Bah du coup, j'invoque un petit Rocky là qui va venir terminer le truc. Il est où mon Rocky? Hop là. Fais vite. Allez, termine le boulot. Voilà, c'est bon. Donc le Triceratops, beaucoup de résistance et de santé, parfait pour protéger ses copains dinos. Allez, améliore-moi ça. Allez, avant dernier niveau avant le boss. Du coup, on se prend les Triceratops ou pas? Allez, je vais les mettre à la place des Snappy. On va mettre Triceratops ici. C'est parti. Ok, bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais améliorer mes arbres, mon arbre en priorité. Ça dégage la première bombe, même pas. Hop, attendez. On se tente un type Triceratops, là c'est parti. Moins 14 pommes. Hop, je vais ramasser celle-là d'ailleurs. Voilà, je pense que ça va tank hein, suffisamment. Attendez, je vais activer mon piège là. Parce qu'il y a quand même un peu trop de monde là, je trouve. Hop là, 3 en moins directement. Mon Triceratops, il est au calme lui. Il a le grand sourire. Il arrive. Hop, tiens, je vais t'aider, Triceratops. Je te gèle lui. T'as juste à lui mettre un petit coup et c'est bon, je pense. Ah non, 2-3. Ouais, en fait, il est pas très fort, Triceratops. C'est juste qu'en fait, le type, il est. C'est un tank quoi. Pour le bouger, il faut y aller. Hein. Regardez, ils sont 4 dessus, 5 dessus. Ouais, ça va, ils font des dégâts quand même. Hein. Il va falloir que je les calme avec une petite bombe. Oh putain, mais il va y passer. Il va y passer, mon Triceratops. Attends, j'arrive. Je viens t'aider. Oh non, il est mort. Non, vous avez tué mon Triceratops. Alors là, je suis pas content là. Du coup, je vous mets votre plus grand point faible, le Rocky. Hein. Le Rocky. Non, mais le Rocky, c'est la valeur sûre. C'est ouf. Allez, je vais invoquer les petits là un petit peu. Hein, la sorcière, mais elle a personne à soigner, la pauvre. Hein. Attendez, lui, je vais le geler. Comme ça, il sera pas soigné par la sorcière. Elle va se faire démonter. Allez, les petits dinos. Les grands ont fait le taf. Je compte sur vous. À l'attaque. Et boum! Ben voilà, ils font le taf, les petits dinos! J'ai débloqué le piège empoisonné, une belle petite plante piquante empoisonne tout homme qui ose la toucher. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là, c'est vraiment un boss? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Non, c'est juste un nouveau monde en fait! Ah, d'accord. Ah, ça va être beaucoup plus compliqué là, je suppose. Ah oui, ça a complètement changé. On est sur la planète Namek là. Les hommes à feu tuent. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Je sais pas ce qu'il y avait marqué. Les hommes à feu tuent, je sais pas quoi. En tout cas, à mon avis, ils enflamment mes troupes. Hein. Il va falloir faire attention. Allez, vite, on améliore les arbres. Ouais, c'est un peu la PLS là. Ils sont déjà bien avancés quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus dur que tout à l'heure là. Allez, gèle-moi ça. Boum. Ah, ils font le taf, ces petits raptors, là. Ah ouais, il a mis tellement cher à mon œuf, ça y est, je vais le terminer. Ah non, il est pas mort. Il est où, mon Triceratops? Mais il est tellement lent. Dépêche-toi, là, j'ai besoin de toi. Mon faux œuf va mourir. Hop, là, je vais les geler, calmez-vous. Ah non, je peux en geler 15 fois, chiant. Ah oh, bah, je l'ai carrément tué, même. Allez, j'ai besoin d'un Rocky, là. Il faut, il y a trop de monde, là. Allez, vas-y, rush, mon pote, rush. Écrase-moi tout ça. Et voilà, c'est réglé, niveau terminé. Bon allez, je vais entraîner mon Triceratops, il y en a pour une minute qui s'entraîne. Ah, le piège empoisonné, je l'avais pas eu encore, je vais le prendre, comme ça je l'aurai sur le terrain. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais améliorer un petit peu mon rocher glacé, là. Et mes petites pierres aussi, parce que c'est vrai que les pierres, on les a souvent, mais elles font vraiment pas mal, c'est dommage. Alors, attendez, on va faire en sorte, voilà. Là, elles font 300, c'est pas mal. Ah, niveau 9 sur 10, bon allez, tant qu'à faire. Ah non, je peux pas, je vais mettre 10 sur 10, mais je peux pas. Ma bombe volcan, on va l'améliorer un petit peu aussi. Mon Rocky, franchement, je sais même pas. Ah, ça y est, mon Triceratops a terminé. Mon Rocky, je sais pas si ça sert vraiment à l'améliorer parce qu'il fait tellement mal. Il fait 1875. Ah, bah, de toute façon, j'ai pas encore la possibilité de l'améliorer. Bon, et tant qu'on y est, on va débloquer le mammouth avec sa fourrure super forte.
fort, il peut vous protéger des dinos les plus faibles. Non, il peut protéger les dinos plus faibles. Ouais, y a un petit problème dans la traduction là. Je l'améliore un petit peu. Un peu de camouflage. Bon, du coup, je vais virer mon rookie. Hein, parce que le rookie, c'est tellement fort qu'on va prendre un petit mammouth là. Sinon, ça va être trop facile. Donc, comment ça se passe ici? Ah, mon piège, il s'est mis à ce niveau-là. Hein. Non, mon forêt va tomber. Oh, j'aurais pas le temps d'améliorer trop mon arbre, hein. Là, il est niveau 3. Ah, il va falloir que j'attaque, là. Mais attendez, on va voir le piège, ce que ça fait. Allez, avancez, homme des cavernes. Ne regardez pas où vous allez. Et boum. Ok, ça... Oh, ça va tous les empoisonner. Oh, trop génial. Alors, attendez, parce que là... Oh, mais ils sont déjà là. Oh là là. Vite, il faut défendre. Mammouth. Triceratops. Oh putain, il est énormissime. Il faut que j'envoie du monde là. Là, il me faut du monde, hein, les amis. On va geler également. Allez, ça dégage. Laissez-les s'empoisonner. Non, ils se sont arrêtés juste à la frontière. Toi, arrête de lancer des trucs. Sinon, et boum. Allez, on active le piège là sur l'homme de feu. Et boum. Ah, il est pas mort, ça l'a pas tué. Allez, attention aux lances, attention mon mammouth. Attention à la lance. Oh non, ils sont défoncés, mes petits. Ok, je vais en racheter, Je vais prendre la triceratops. Mon triceratops, il est mort quand même, hein. Il est mort au combat. Mon mammouth, il fait le taf, hein. Il fait vraiment le taf. Au calme, boum. Alors, est-ce qu'il va suffire? Oh, bah c'est bon, voilà, une petite boule de glace. Et c'est terminé. Ah, du coup, j'ai débloqué un nouveau truc, là. C'est ce truc-là, en haut à droite. Ils ont quelque chose de gros. Qu'est-ce qu'ils ont? Feu avec la méga boule. Ouais, ouais, je vais tester ça. What? Oh mon dieu! C'est un rookie encore plus puissant là, clairement. Et ça va pas rentrer là-dedans. Oh, si, ça a réussi à rentrer. Les méga boules sont rares, utilise-les à bon escient. Ah ouais, j'en ai que 3 par partie. On va essayer de les gérer. La première est gratuite. Ah, et le suivant, ça coûte combien? Oh putain, il y a du monde déjà là. Et... ça one shot ça? Ouais, ça one shot. Allez, je relance une pierre. Je sais pas combien ça me coûte, mais. Oh putain! Ils se font démolir. Wow. Allez, j'active mon piège. Et ah, oh, ça a branché. Allez, je recrute un petit mammouth et un triceratops dès que possible. Il faut faire vite là. Et là, il faut faire vite. Venez, les gars. Venez. Je vais geler. Ouais, lui, je vais le geler parce que sinon, il va faire trop mal à mon truc. Ah, bah, je vais carrément tuer à chaque fois. Allez, c'est parti. On active le piège si possible. Et boum. Allez, triceratops. Regardez, les triceratops, c'est énorme, mais on le voit même pas derrière mon mammouth. En plus, ils ont la même couleur. Allez, la dernière vague qui arrive. Oh là là, je les prends directement à la source. Ils peuvent même pas sortir. Je vais même rajouter un petit rock histoire de tous les démonter. Et voilà, c'est réglé. Bon, je ramène de la chair fraîche là. Toute une cargaison de dinosaures. Mais je crois qu'on en aura pas besoin. Voilà, le niveau est terminé. Carnage, le carnage, le carnage. Boum. Ça y est, j'ai un nouveau dinosaure. Il s'agit de Rambo peut éliminer des hommes équipés d'un bouclier. Ah, parce que Rocky, il faisait pas ça déjà? Je crois que si, en vérité. Hein. Allez, on va le tester ce nouveau. Il doit coûter moins cher, je pense. Par rapport à Rocky. Avec qui je vais te remplacer? Allez, Crasher, je m'en sers pas trop. Viens dans mon équipe, Rambo. Bon, il coûte 8 pommes, ça va. Hein. Ah ouais, en plus, parfait. Ils ont des boucliers là pour commencer. Hop, je vais en mettre un direct. Hop, voilà. Allez, viens là. Ah ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit que Rocky, hein. Enfin, beaucoup. Bon, ça va. Oh, du coup, avec les boucliers, il va les démonter. C'est sûr. Ah ouais, les défenses. Oh non, il a pas tué lui. Hop, je vais une petite pierre et c'est bon. C'est réglé. Hop, là, ici, je vais y mettre une petite bombe. Allez, vite, qu'il y en ait d'autres qui viennent. Non, ok. J'ai mis une bombe pour un seul. Allez, je vais me faire une armée de raptors. Oh, ce monde. J'hésite à lancer une pierre. Non, c'est bon. Ça va le faire. Mes petits raptors vont faire le taf. Je vous ai recruté pour ça. Oh, ils se font démonter. Ça craint, vite. J'interviens, dégagez de là. Boum. Des pommes. Allez, j'envoie un Rambo au cas où. Fais vite, Rambo. Dépêche-toi. Non, ça va en fait, mes raptors se débrouillent. Oula, non. Oula, ils commencent à prendre des coups de masse. Oh putain, ils sont tous morts, sauf un. Bon, bah salut, hein. Bon, ma Rambo n'a pas servi à grand chose, mais bon. Ah, c'est quoi que j'ai débloqué là? Je viens de débloquer un truc. Ah, c'est la possibilité de mettre un blizzard juste là. On va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas du tout. Ah, ok. Ça se lance comme ça. Oh, ça les ralentit tellement. En plus, si j'ajoute une petite boule de glace comme ça, ils vont rien faire. Allez, hop, dégagez. Un à un. Alors, c'est quoi ce truc là? Tir groupé, beaucoup de petites surprises pour plein de méchants hommes. Ok, nouvelle capacité. On va prendre ça, on va l'améliorer un petit peu. Beaucoup même. Alors, on va voir ce que ça. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Il se cache dans des buissons maintenant, les petits malins. Donc on va tester là ce petit, cette petite pluie de cailloux. T'es pas de tête maintenant, tu vas pouvoir te prendre un petit caillou dans la tête. D'accord, c'est pas mal ce nouveau petit truc là. Allez, on veut des pommes. Oh d'accord, ils peuvent passer au travers des faux œufs. Ils vont peut-être même esquiver le poison, je sais pas. Mais c'est pas grave, j'envoie des petits raptors là, les gars. Allez, il faut s'en occuper. Oh, ça l'a empoisonné, ouais, c'est bon, nickel. Allez, faut se battre. Je lance un petit caillou. Oh putain, ils sont passés derrière. Je vais être obligé d'envoyer une petite pluie de météorites. Oh, mais lui, il est protégé. Allez, boum. Ah, ça a fait tellement mal. C'est ça de l'avoir maxé aussi. Allez, je prends un mammouth, je prends un petit Rambo, un petit raptor et on y va là. Oh, il y a du monde. On va geler. Vite, gèle-moi tout ça. Oh là là. Allez, je compte sur toi, Rambo. Défoncez tous. Et ben voilà.
n'en doutais pas moins de toi, mon ami. C'est bon, le mammouth, t'as plus rien à faire, t'inquiète. Oh, si, ça va, il y en a deux qui arrivent. Attendez, je vais leur mettre un petit coup de gel là. Ah, ouais, d'accord. Non, mais le gel, ça les a complètement tués, dit que... J'ai fini le niveau. Ah, je viens de débloquer une petite protection empoisonnée autour de l'œuf. Ah, non, mais avec tout ça, on est blindé. On a un piège, on a un fake œuf, on a. Du poison, un buisson, et en plus, autour de l'œuf, on a du poison. Oh putain, par contre, il y a du monde qui arrive, là. Et boum! Ça y est, on est au niveau 24, on va enfin pouvoir avoir un nouveau dinosaure. Ça fait un petit moment que j'en ai pas eu de nouveau. Allez, c'est le moment. Il y a du monde, là. Là, il y a du monde. Rambo, viens là. Je sais pas s'il va tous les tuer, hein, mais il devrait faire mal. Je vais rajouter les petits raptors en plus, là. Oh, c'est bon, ça démonte. Oh non, il s'est déjà arrêté, comment ça se fait? Ah, il s'est fait défoncer. Petit caillou sur lui en vert, là. Je vais le terminer, voilà. Toi, tu le termines, lui. Ah, il faut s'occuper des trois types en plus, là. Oh, je peux lancer tellement de pierres, je peux lancer des rochers, je peux tout faire. J'ai trop de trucs, le buisson. On découvre le buisson. Découvrez-moi, c'est qui y a derrière ça, là? Et boum. Oh merde, j'ai même touché ceux derrière. Oh, la sorcière. Vite, la sorcière. Faut s'occuper de la sorcière. En priorité. On déclenche le piège. C'est parti, le piège. Elle vient encore, ma boule. C'est bon, allié. Boum. Attention, il y en a un qui est passé, là. Oh, il y en a un qui est sur mon œuf. Non, ils l'ont détruit. Ah, allez, cette fois, faut gagner, la team. Hein, faut gagner. J'envoie un petit Rambo. Deuxième vague. Oh putain, ok, il y aura trois vagues en tout. Allez, Rambo, là, faut faire le taf. Hop, la sorcière, absolument. En priorité, la sorcière. Boum, boum. Oh non, j'ai pas eu la sorcière, vite, faut la tuer. Allez, allez, Rambo. Bien joué, Rambo. Allez, Rambo, continue. Allez, allez. Oh merde, il a disparu. Allez, une petite bombe et on les termine là. Allez. Oh. Oh, la sorcière est toute seule. La personne qui soignait. Soigne-moi si tu veux, hein. J'ai... Mon mammouth, il est touché un peu. Ouais, ok. Oh, bah là, c'est bon. Là, ils peuvent plus sortir de la caverne. Oh, il y a des hommes en feu qui arrivent. Non, mais là, ils peuvent plus rien faire là. Je les défonce dès qu'ils arrivent. J'ai pris le contrôle de la caverne, là, clairement. Oh, mon nouveau dinosaure est là. Oh, il est trop stylé. Comment on appelle ça déjà? C'est pas un Diplodocus? Oh, je sais plus, mais c'est trop stylé. Oh là là. Allez, attaque. Il veut pas attaquer. Non, mais de toute façon... Oh, il lance de tellement loin. Il lance des grosses boules comme ça. Boum. Ah, il serait bon au basket, lui. Bon, franchement, là, il sert à rien. J'ai tellement de gens devant la caverne que c'est bon, franchement. Oh, je peux avoir le rang 5 avec mon arbre. C'est le rang maximum. Très bien, et bien de toute façon le niveau est terminé. Ah non, c'est plutôt le stégosaure, je me suis trompé, parfait. Bon bah c'est bien, on l'a débloqué, c'est cool. Bienvenue chez toi le stégosaure. Je t'améliore à fond mon pote, je t'améliore. Eh ben c'est ok, il faut que je sois niveau 30 maintenant. Et du coup il reste quoi? Il reste le Brachio, le T-Rex, à débloquer le Frosty, le Spino. Ouais, il faut aller jusqu'au niveau 117, j'en suis tellement loin. Oh, nouvelle créature. Oh, c'est la dame. C'est la dame. Oh là là, elle est énorme, c'est un tank, c'est un truc de fou. Ah, il faut plus de monde là. Mammouth, oh là là, il faut que je la gèle. Vite, faut que je la gère. Vite. Je vais envoyer Rambo. Ah, mais non, mais Rambo, il est inutile sur les grands gaillards comme ça, là. Je vais lancer cette bombe là en espérant, voilà, faire le ménage. Il reste que la grande. Oh, c'est un boss, c'est abusé. Eux, ils dégagent, vite, je m'occupe d'eux. Enfin, Rambo. Oh, Rambo, il a pas fait grand chose. Il s'est fait démonter d'ailleurs. Je vais prendre la Triceratops. Allez, mammouth. Boum. Allez, mammouth. Deux mammouths qui se battent ensemble, ça donne ça. Ils se font pas très mal. Allez, je vais t'aider, je vais lancer des cailloux. Oh, je pourrais activer le piège, faut que j'active le piège. Allez, je peux pas, j'ai plus la bombe. Oh, ça les a démontés. Oh, la sorcière, désolé la sorcière, mais voilà, t'as plus la bosse à protéger. Et c'est terminé. Bon les amis, est-ce que vous avez déjà vu des dinosaures? Non, je pense pas, ils sont morts il y a quelques années déjà. Par contre, des dinosaures qui tiennent des armes, ah ça oui, c'est tout à fait normal. Et on va même pouvoir en acheter deux, afin de les fusionner. D'avoir un gun, un revolver encore plus puissant. Alors je sais pas qu'est-ce qui est le plus normal entre avoir un revolver vert ou bien un dinosaure qui tient des guns. Bon, bienvenue à tous les amis sur ma chaîne. Aujourd'hui on est sur un runner dans lequel on va pouvoir déjà faire évoluer nos gun au fur et à mesure des années, mais aussi on va débloquer de nouveaux dinosaures. Car oui, le T-Rex c'est pas le meilleur aujourd'hui. Bon, bah écoutez les amis, juste avant qu'on découvre ce runner qui a l'air incroyable, je vous demande à tous, comme d'habitude, de mettre un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'est parti pour l'évolution du T-Rex qui va directement taper sur les caisses de munitions et qui elles-mêmes vont directement partir pour la suite. Ah ouais, ça va remplir les différents portails, histoire de gagner plus d'années au niveau des armes et en tout cas nous... On va pouvoir augmenter notre cadence de tir. Et alors là, ça va être n'importe quoi. Alors il y en a combien là? Parce qu'en fait, on va pas pouvoir faire le plus 10 ans, mais peut-être qu'on va pouvoir faire 7 ou 8 ans, je sais pas. En tout cas, on le prend et on est passé maintenant. Oh, double canon comme ça. Oula, attendez, on va taper là, on va prendre des dégâts et on va pouvoir casser des œufs de dinosaures. Pourquoi pas atteindre l'arme légendaire qui est tout au fond là-bas. Alors attendez, j'essaie de rester, hop là, au centre pour éviter... Ça. Et on est déjà en route pour débloquer le spinosaure. Bon, très bien, mais tout ce qui m'intéresse, moi, c'est les guns qu'il porte. Alors, hop, ah, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir avoir la prochaine évolution, donc tant pis. Donc, on repart directement pour un nouveau run. On va directement prendre ces trois petites caisses. Et on va plutôt tirer sur le portail de droite qui va nous permettre de gagner un petit peu de cadence, j'espère. À moins qu'on soit négatif. Non, c'est bon, tout va bien. Waouh, pas mal du cash. Oh, ouais, d'accord. Bon, bah, on aura une nouvelle évolution, c'est sûr, à 100%. Donc là, on a réussi à avoir le double canon comme tout à l'heure. On va pouvoir augmenter la portée comme ça. On va taper les œufs
super loin. On va pouvoir les farmer tranquillement. Ah, mais on est vraiment pas puissant pour l'instant. Regardez ça. Comment je galère. Et le pire, c'est que je vais même pas passer en fait. Ça va faire comme tout à l'heure. Bon, de toute façon, je suis mort. Ok, on y est presque au Spinosaur. Et là, on va pouvoir donc, je l'espère, débloquer la prochaine évolution. Et c'est sûr que oui. C'est parti. Donc, on commence avec ce double canon. Donc, ça fait plaisir. Ça évitera de le débloquer une nouvelle fois. Et on pourra maintenant passer à une arme de 1930. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un petit gun apparemment. Ouais, c'est pas encore assez puissant à mon goût. Moi, je veux un sniper. Le premier dino à avoir des snipers, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, on gagne quelques années. Ça y est, on a débloqué le gun qui est un... Comment ça s'appelle ça déjà? Oh, attendez, je suis concentré dans les portails. Hop là. Bah, j'ai failli perdre un an. Ça aurait été dommage. Que sympa de perdre des années de temps en temps. C'est vite de vieillir. Hop là, attention. Oh, le mot que je cherchais, c'est des Glock. Il me semble que c'était des petits Glock qu'on avait là à la prochaine arme. Oula, attendez, ça repart direct. C'est parti. Alors, en fait, quand on tire dessus, on gagne 0,1, alors que celui de gauche, on gagne plus 1. Sauf qu'il était tellement négatif que ça valait pas le coup de lui tirer dessus. On gagne un petit peu de portée et on continue. Alors, j'aimerais bien remplir les 10 années pour une fois, mais je pense qu'en fait, on les a quand même. Hein, parce que là, je suis à peu près en, selon la barre, 1927. On va prendre ça et on passe en 1930 encore une fois. Allez, c'est plus cadence. Oh, la cadence de fou. Oh, plus 120. Wow, cette cadence de dingue. La portée va être améliorée. Là, c'est parti. On va pouvoir se blinder de thunes, les amis. La vidéo commence officiellement maintenant, je pense. Waouh. C'est parti, on va pouvoir progresser enfin. Par contre, il va falloir se concentrer peut-être sur les œufs de droite. Non. Oh, c'est pas grave, regardez. Pour me consoler, j'ai un nouveau dino qui arrive d'ici peu. Alors hop, on débloque tout ça. Encore un, non, j'ai pas assez d'argent. On met ça ensemble et on a le bloc dont je parlais tout à l'heure et qui va nous permettre maintenant d'être directement en 1930. Ça, c'est parfait. Et on va pouvoir gagner quelques années. Donc la prochaine arme, ça a l'air d'être un UMP ou un truc comme ça. Une petite mitrailleuse, un pistolet mitrailleur qui va être très sympa. Mais pour cela, il faut taper dans les caisses. Hop là, c'est bon, ça va le faire. Alors plus 10 ans. Oh, je l'ai presque rempli. Qu'est-ce qui se passe si c'est rempli? C'est que ça fait plus 10 ans, tout simplement, je pense. En tout cas, on va essayer de prendre un peu plus de cadence. Hop là. Alors je suis passé, du coup ça y est, j'ai le pistolet mitrailleur. Waouh, avec les gros chargeurs comme ça, Thompson un peu là. Oh, par contre j'ai pas assez de cadence, pas autant que tout à l'heure. Mais c'est pas grave les amis, parce que le plus important, tout à l'heure j'ai dit que c'était les armes, mais là maintenant on va dire que c'est le nouveau skin. C'est un Spinosaur. Alors hop là, j'ai de quoi acheter ça. What? Wow, ce portail à moins 400 là, comment tu veux que je le rattrape le truc? Le prochain c'est moins 500, non mais attendez, c'est une blague. Hop là. Allez, nous on va prendre du coup, on va tenter de prendre un petit peu de portée. Pas grand chose malheureusement. En tout cas, il va falloir à mon avis faire ce niveau et peut-être un autre avant d'avoir une évolution de dingue. Oh mais attendez, on est quand même pas mal fort hein, finalement. Hop là, on va prendre pas mal d'années. 95 ans, mais attendez, on va avoir le sniper direct là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wow! Je suis passé au minigun. Ah, bah je crois que j'ai sauté quelques armes là. Attendez, parce qu'après la prochaine arme c'est l'an 3000. On passe de 1970 à 3000, c'est n'importe quoi. Oh, le Spinosaur est bientôt à nous. Alors, attendez, j'ai un petit peu d'argent, on en profite. Hop là, on l'investit dans des guns. Ah, il m'en manque encore un peu. Désolé, petit gars, je peux pas te donner mieux que ça pour l'instant. Allez, ça y est, après un niveau, seulement j'ai pu avoir assez. Et donc, j'ai fusionné et commencé directement avec ce pistolet mitrailleur qui ne rigole pas. Waouh, j'adore comment ça enchaîne les niveaux, j'ai même pas le temps de respirer. C'est parti! Oh, il y a un ennemi! C'est un mafieux. Est-ce que c'est utile de le tuer ou pas? Ouais, je vais le faire. De toute façon, normalement, la caisse, je vais l'avoir assez rapidement. Je prends l'argent et je l'élimine. Wow, c'est un chasseur de dinosaures. Pour qui il se prend celui-là? C'est pas comme si j'avais sorti une vidéo chasse des dinosaures cette semaine aussi. C'est parti! Je vais prendre 20 ans! 20 ans dans la face. Oh, je suis déjà en train de tirer sur les œufs d'hyper loin. Ouais, mais je sais pas si je vais les avoir les plus 20 ans parce que je les ai pas remplis. Hop, on va essayer. Oui, ça a marché. Oh, j'ai une nouvelle arme que j'avais toujours pas vue. Elle est trop stylée. Et nous, les amis, on va pouvoir se diriger vers le prochain dino. Oh. Ah non, il reste encore deux niveaux. Là, pour la première fois, on découvre le Uzi qui... Oh, on va pouvoir avoir une cadence pas mal pour terminer. Ah ouais, vraiment pas mal. Allez, c'est parti. On y va pour l'arme légendaire. Ah, à mon avis, c'est l'arme de l'an 3000 qui est là-bas. L'arme futuriste. Ouais, bon, je pense pas qu'on l'aura pour ce niveau, mais franchement, pas mal la cadence, hein. Et pas mal les billets. Je suis blindé. Encore un niveau et on le débloque. Alors, je suis blindé, mais est-ce que c'est assez pour débloquer une nouvelle évolution? Il y a tellement d'évolutions à faire que... Non, pas pour l'instant. Ça y est, on a notre nouveau dinosaure. Bienvenue dans la team. Directement, je te mets deux armes sur toi. Et bon, j'allais te proposer une amélioration, mais bon, c'est un peu la crise ces temps-ci. Ouh. Ok, on va pouvoir augmenter un petit peu la portée. Oh, alors comment ça se passe? J'espère avoir un bon niveau là, histoire... Oh, mais il est tellement classe par contre. Allez-vous-en, bande de noobs. Oh, il m'a tiré dessus. J'ai perdu quoi? Des années? C'est pas grave. Je vais tirer un petit peu sur la cadence qui va pouvoir être pas mal améliorée là, vu qu'on est à plus 100. 200. Ça va être pas mal. Boum, 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 boum. Malheureusement, j'ai pas une nouvelle arme. J'ai pas eu beaucoup d'années là. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, oh ouais, par contre, la cadence, c'est quelque chose là. Oh là là, tous les billets. Bon, bah, on va peut-être pouvoir avoir une nouvelle évolution d'arme directement passer au Uzi. Ça fait plaisir. Et hop là. Hop. Allez, on continue. On s'est mis extrêmement bien là. 1424 de thunes. Mince. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était le nouveau dino. C'est pas grave. Hop, hop. Tac. On va pouvoir fusionner. Est-ce que c'est assez? Je ne crois pas, malheureusement. Ah, il faut encore un niveau et ça sera bon. Bon, bah, les amis, j'ai eu un niveau avec énormément d'argent. Ce qui va me permettre, regardez, hop, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fusions. Notamment la possibilité d'avoir les Uzi. Alors attendez, parce que j'ai encore beaucoup.
Pourquoi tout se cache? Alors, bon, on va pouvoir faire pas mal de fusions encore une fois. Je pense qu'on va faire une petite ellipse et on se retrouve quand j'ai fait les 150 fusions qui m'attendent. Ok, évidemment, j'ai eu mon Uzi, mais je vais pouvoir directement en avoir deux et obtenir une mitrailleuse, j'imagine, qui a l'air quand même pas mal puissante. Bon, je pense que ça sert plus à rien que je fasse des fusions là pour l'instant. Je peux partir pour le prochain niveau et c'est parti. Alors, on a la possibilité d'avoir un peu plus de cadence de tir, en tout cas. Là, franchement, on impose. On a un sacré charisme avec ces deux armes. Allez, go! Plus de cadence, tac. On essaie de récupérer tout ça. Tant pis pour le mafieux. Oh, il m'a fait mal celui-là, par contre. En fait, les mafieux, ils m'ont fait perdre pas mal d'années quand même. Puisque, voilà, bah, du coup, là, j'ai pris 20 ans. Ça va, j'ai retrouvé mon minigun, mais j'aurais pu avoir mieux s'il m'avait pas embêté. Quoique, après, il faut faire un saut à 3000 ans en avant. Donc là, les amis, on a un portail qui va nous augmenter nos dégâts. On va tester ça. Ok, on va pouvoir monter à 36. Je sais pas si c'est énorme. En tout cas, ceux-là, ils m'ont fait les deux noobs. Là, ils viennent me faire perdre de la vie. On va taper les œufs pour voir. Ah ouais, d'accord. One shot les œufs. Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout? Oh, ouais, mais là, c'est n'importe quoi, là. Oh, c'est quoi ces dégâts de fou? Allez, on gagne encore un peu plus d'années. Oh, dommage, j'ai pas le minigun. Mais oh, les dégâts sont vraiment pas mal. Bon, là, il y a moyen d'aller jusqu'au nouveau gun, je l'espère. Mais en tout cas, ça en fait les billets. Alors, attendez, je vais rester sur la droite. Ah, ça va être un peu limite, je crois. On manque un petit peu de cadence de tir ou un petit peu de dégâts. Ah là là, dommage. Bon, peut-être au prochain niveau. Oh, en tout cas, on a battu notre corps. Regardez, on était super loin. Et on a un Oviraptor. Bienvenue dans l'équipe, mon pote. Donc là, on va pouvoir augmenter nos dégâts de beaucoup. De 630 à peu près. What? La portée est juste incroyable. On va pouvoir détruire largement tous les œufs. C'est tellement satisfaisant. Tous les billets qui apparaissent, tous les œufs qui disparaissent. Wow. Ok. Bon, ben, on a tout cassé quasiment. On n'a plus qu'à avancer et ramasser du billet. Alors, c'est parti donc pour se gaver. Et la dernière arme, tu es à moi, les amis. Vous avez jusqu'à que j'atteigne la prochaine arme pour mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ah, dépêchez-vous, je vais la voir. Oh, ça y est, je l'ai. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Je la prends. Oh, tu peux t'arrêter de tirer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fini. J'ai fini le jeu, les amis.